Par avec mon profond vert qui fait des conneries. Salut. Bonsoir. Bon, je vous cache pas que ce soir c'est la galère. Donc des joueurs, donc à venir jouer. Join. Écrit dans le titre. Écravia, j'ai pas. Bon, les mecs, vous pouvez rejoindre. Ah, Panzer, oui, tu t'es trompé, t'as oublié le S. Joue un monsieur maintenant. Oui, je sais pas, mais logiquement, on est censé hériter de notre patrimoine. Bah ouais, si bah je vois qu'il est déjà 2. C'est bon. Premier noble étant mort. Logiquement, je suis patricien, moi, résultat d'office. Techniquement, ma première noble s'est faite enfermer, et du coup, la deuxième qui a succédé, elle a fini sa transition. Je sais pas si Dailin c'est là, il va bien y avoir des gens qui vont jouer. Après, t'en retires deux, mais. Ah, il y a Ragnar qui est là, salut Ragnar. Qui était viking là, la dernière fois. Il a gagné avec les vikings la dernière fois. Dans les chefs ? Ah non, justement non. Non, mais la dernière fois. Ah non, ok, ouais, il était chez les grandes. Non, okay. si le jeu ne met pas dans les chefs, c'est qu'il n'était pas là. Je me souviens plus de qui était où. Sinon, le jeu l'aurait automatiquement mis chez les chefs. Tu peux nous rejoindre en vocal, hein, Ragnar, si tu peux. Elle entend quelques personnes encore, est-ce qu'elle ne peut pas rejoindre? C'était au moins un chef. Il y avait qui dans les chefs? Mais il y avait que des gens qui étaient pas en vocal, dans mes souvenirs. Ou il y a peut-être un mec qui était en vocal. Il y avait un qui était en vocal, je me souviens, ce qui nous trollait. Ah, faut regarder les messages de qui a troll à la fin. Tag des gens. Céline. 1. Ah, ou alors c'est en refaire une nouvelle, mais je m'en fous. Ça. Si on n'est pas assez nombreux pour. Là on est assez nombreux techniquement. C'est juste que là on peut pas lancer parce que c'est ouais, une continuation. Mais lancer s'il y en a que un noble dans chaque camp, c'est pas. Bah, y'a Typhus, ouais. Ah, ouais, vas-y. Ça ne compte pas que venir. C'est ce qu'il faut. Il était dans le nord, Typhus. Certes. Non, regarde. T'as joué là. Personne ne veut venir dans mon royaume de leucémique maghrébin là. Alors, t'as pensé. Bah, c'est typiquement le genre de jeu où les gens rejoignent une fois que la partie est lancée. Allez, avec un peu de chance, tu auras encore la cam girl. Putain, celle qui m'avait fait trop la game là. Ouais, ou plutôt la scam girl. La scam girl. Vous saviez, mon prédécesseur était un homme bon. Oh non, Typhus. Eh bien. Et en majuscule. La Tyrus qui est juste. Une merde, Tyrus. T'es une merde. Fallait faire sa 5ème GPO de la semaine alors qu'on est que mardi là. Au moins il connaît les jeux qu'il aime bien. Dailin l'avait dit qu'il serait là en plus. Ah, mais Dailin ne changerait pas le problème parce qu'il me rejoindrait chez les patriciens. Ouais, mais bon, au moins on aurait deux nobles dans deux. Chefs seront.
Est-ce que ça change quelque chose que les chefs aient gagné la dernière fois et du coup c'est leur candidat, ils doivent avoir une tâche, non? Ah, je sais pas. Comme je t'ai dit, j'ai jamais vraiment... J'ai continué une partie une fois, genre deux tours, juste pour voir à quoi ça ressemblait, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment personne poussé. Attends, je vais faire un mode. Voilà, faut dire, tu retires 3 personnes, ça fait qu'il y a que 3 mecs sur le live, plus Tyrus qui s'est barré, je pense. Donc bon, bah, ça fait que si les 3 mecs ont pas envie de jouer, bah oui, effectivement, il y a personne. Donc sympa de te faire. Tu commences à... Tu en demandes beaucoup d'arfiches, hein. Hey. Tu veux qu'il soit beau, grand et fort. Écoute. Aïe aïe aïe. Comment ça va, vous? Ça se passe. Oui, je lis les Dev Diary sur Eminent, sur Grey Eminent, pour l'instant. Non, j'ai une idée, je vais lancer une prédiction. Ça se présente comment, pour l'instant? De ce que je lis, ça a l'air sympa. En fait, c'est beaucoup de promesses. Que de nouveau, si elles sont toutes complétées, c'est incroyable. Le jeu sera incroyable. Après, il n'y a pas encore, surtout, de dev sur le militaire, tu vois, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais, ce genre de jeu, il y a un gros risque d'usine à gaz. Pourquoi déjà ce jeu revient? Ça se veut un concurrent, ça se veut la nouvelle étape, ils se désignent comme ça. C'est des indépendants qui modaient sur les jeux de grande stratégie, type Paradox et tout. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans leur dev diary, tu vois plein de réflexions vis-à-vis de Paradox et tout. C'est jamais direct, tu vois, mais toi qui joues à Paradox, tu reconnais les pics, quoi, tu vois. Par exemple, ils disent « Nous voulons être une simulation, donc il n'y aura pas de système de mana. » clin d'œil, tu vois. Ça fait 3 ans que, dans le premier dev diary, ils disent que ça fait 3 ans qu'ils bossent dessus, mais que là ils l'ont rendu public parce que en fait ils ont besoin de plus de thunes, parce que maintenant donc ils ont le Patreon, parce qu'ils veulent pas se faire produire par un gros studio, ils veulent rester 100% indépendants. En tout cas de ce que j'ai lu, hein, je n'ai pas non plus trop suivi. Et en gros ça se veut un jeu dans le style U4, parce que la période couverte est à peu près la même, mais en plus étendue. C'est-à-dire que ça, en gros, en période, ça va de un peu avant U4, donc fin de CK2, à fin de HOI4. CK2 finit après le début de U4, technique. Oui, mais enfin bref, ça fait... Et ils doivent commencer, je pense, en 352, non? C'est pas... Ouais, c'est 1300 AD, quelque chose comme ça, et il finit en 1956. Donc c'est 1956 ans. Ouais, il compte implémenter des évolutions à la fin. Ah, ça y est, nous avons un chef du Nord. Ouais, Darfish. Et en gros, le jeu se veut, la grosse différence, c'est qu'il se présente, c'est qu'il se veut vraiment comme une simulation, quoi. Et que tu puisses. Mec, tu n'es pas obligé de tout micro. C'est-à-dire que le jeu tourne par lui-même, vit par lui-même. Et tu choisis à quel point tu veux impacter en tant que dirigeant, quoi. Mais sinon, le principe de base, c'est un jeu de grande stratégie, hein, donc tu incarnes un pays et tu diriges le pays comme tu peux, quoi. Bonsoir. Mais après, faudrait que je rentre dans les détails pour résultat dire à quel point c'est différent à U4. Bon, allons-y. Mais c'est prometteur. Si c'est pas un gros... C'est pas un gros usine à gaz, là, une dis, grosse allons-y. Usine à gaz. Allez, ça veut dire ta gueule, on joue. Ça veut dire ta gueule, on joue. Ça paraît de quel jeu? Grey Eminence. La dernière fois, donc les chefs avaient gagné, ils avaient une armée, mais. Ils avaient quand même des super. Regarde, 6, 7, 7, 10, c'est quand même pas... Ouais, non, mais t'inquiète, l'armée de la côte est présente, bro. Ouais, mais... Le zéro de militaire. Les mecs, tu sais, il y a un clampin, le paysan, avec une fourche, il peut tirer tout le terrain par...
Les mecs, c'est un prince du Saint-Empire dans Par contre, Louis IV, on représente tout le trek du royaume. Luxembourg dans Chevalier 4, tu vois. Il y a tellement plus de, il y a tellement plus d'hommes recrutables. Par contre, l'artiste, tu vois, exemple typiquement, le fait que tu commences avec stabilité, autorité, trésor, standard. Ouais. Ah non, tu commences que avec 1500, pas 3000 d'ailleurs. C'est, ouais, c'est... Moins de c'est parce que t'as... c'est pas toi qui a gagné, tu vois. Vu que t'as été renversé, ça te met 5-5. Alors que si jamais t'avais gagné, selon tes stats, ça aurait évolué. Donc t'aurais pu commencer avec genre 3 d'autorité, 7 de stabilité. Tu vois. Et si tu regardes les, l'agitation des royaumes, c'est encore un peu élevé chez les patriciens et chez les gars du sud, mais chez les chefs, c'est à zéro parce que c'est eux qui maîtrisent le pouvoir. On va lancer le couronnement. Oh, j'ai eu un succès. T'as pas activé l'extension d'affiche. Ça aide j'ai pas activé l'extension. Non. Ça aide pas quand si les gens veulent rejoindre et qu'ils connaissent pas. Ouais, mais elle est chiante cette extension. Ouais, bah elle est vachement pratique. C'est un peu. Ça permet de savoir quoi t'as tué. Surtout quand tu joues en cours de route. Tac, je la rajoute. Je sais pas si elle va fonctionner maintenant. Ah non, hein, voilà le même problème que la dernière fois. Bon, c'est pas très grave. Pour nous, c'est pas très grave vu qu'on connaît le jeu. Mais en gros, c'est que nous, résultat, on n'a pas nos stats. Si, c'est bon, c'est bon, réactualise la page. T'es sûr ? Oui. Okay. Ah, j'essaie. Bon, allons-y, couronnement. Ça fonctionne pas, d'affiche. Moi, ça marche. Mais join the game, en fait. Oui, oui, mais c'est ça. C'est alors qu'on n'a pas nos stats. Dedans, alors que logiquement, quand on rejoint, c'est censé, ce petit onglet, c'est censé devenir nos stats personnels d'Arfish en tant que noble. Mais avec nos objectifs, nos thunes et tout. Mais c'est pas très grave, on peut jouer sans. Ok, bon, on continue. Attends, je tente. Si vous avez besoin, vous demandez, j'affiche. C'est pas très grave, c'est plus pour des gens qui savent pas comment rejoindre. Ok, bon, allons-y, c'est mon couronnement. Ça, on connaît l'event. Non, je rappelle, il faut voter. Point d'exclamation, vote, espace, A, B, C, D. On peut faire une cérémonie païenne du Nord, résultat. Comment ça ? Parce qu'on rappelle que la reine vient du Nord. Hein. Ah oui, c'est vrai, ils sont païens, les Nordiques. Qui est chez les Nordiques, là, alors, il y a Dominique, je sais pas s'il est... Et si tu es là, t'as fait... Il y a pas de pognon, mais il a que 500 balles. Ils vont avoir du mal, je pense, à garder leur pouvoir. T'as hérité de la trésorerie de la... Non, 500 balles, c'est le truc de base avec lequel tu peux, les gars, c'est normal. De base, tout le monde commence avec 1000 balles. C'est 1000, t'es sûr? Non, ouais, il me semble que c'est 1000 si t'es là dès le début. C'est peut-être que 500, ouais, t'as raison. Mais disons, c'est quand tu spawns. Après, là, comme il On va commencer le vote. On garde les traditions, hein. Moi je reste RP, hein. Mon père battait, était pour le progrès, messieurs. La reine invite à voter, c'est la reine dans la rivière, elle a besoin d'un bon petit bain. Hop, voilà. Voilà, le chef je vais me faire renverser après deux saisons, je le sens là. Mais non, mon autorité. On a pas besoin. Je sais par contre que le sud vote pour ça, mais let's go. L'auto quoi ? Aïe aïe aïe, pas de couronnement. Et résultat, si on continue encore cette partie plus loin, la prochaine fois, tu n'as plus l'event, il me semble. Carrément. Ah ouais ? Ouais. C'est vrai que bon, après, si t'as tout le temps le même event, c'est vrai que bon. Parce que on a dit. En fait, non, c'est parce qu'on a voté que. Il n'y avait plus besoin de cette tradition, donc t'auras plus l'event, il me semble. Après, on n'a pas nos missions, donc on n'a pas vraiment. Oui, mais c'est pour ça. Mais qui ? Non, c'est juste pour le pur plaisir. D'ailleurs, c'est écrit. Ah non, j'ai cru que c'était moins 2, mais non. J'étais persuadé que c'était moins 2. C'est un peu con. Quel sera mon objectif ? Écoutez, je suis quelqu'un de RP, donc. Alors, je suis un peu guerrier, on va essayer de faire la guerre. Il va être connu comme un conquérant, il va déclarer la guerre en voie. T'as vu la tête ? Je suis pas sûr qu'on aille bien loin. Allez, les patriciens, on va vous mettre au jour. Je suis pas sûr qu'on aille conquérir beaucoup de territoires. Hein. Je suis étonné que les Nordiques païens acceptent d'être dirigés par une femme. Hein, on notera. Ah, Dominique, chef Dominique. Mais Dominique, il a le jeu ou... Oui, s'il a un drapeau comme ça. C'est-à-dire que Dominique, il sait désigner comme ça lui-même. Ok. Chacun ses goûts. Hein. Ouais, quand t'as un petit drapeau, c'est...
Ouais, si c'est un peu brillant comme ça, c'est que t'es premium. Ah, ça suit quand même. Tu vois qu'il y a encore de l'influence des gars du Nord. Ouais, c'est... Ouais, on voit qu'il y a de l'influence, ouais. Long in the North. Attends, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que... À nous. Vive le Nord. Attends, attends, hé. Long in the North, hein. King in the North. Donc, allons voir les gars, on a une pupette sur le trône. Hein. Ah là, ouais, bah, essayez. Puppet Master, c'est Dominique, hein. Je réponds entièrement. Ouais, on, est le royaume du sud, là. Ouais, mais nous, on est normal. Genre, le plus clair, c'est Black, bagage, hein. Quoi. Il y a eu le grand emplacement. La transition, elle est un peu... Encore un peu une femme, mais bon. On est tous noirs, trop bien. Et c'est le royaume de la tolérance si avant le tout. Le Nord va chercher à se révolter ou pas? Parce qu'il regarde, disait ils sont en vraiment mode... tous noirs. Ah ouais, ok. Ok, bah ouais, et tant qu'à faire. T'as pas activé une option dans tes... pour que tout le monde soit noir, là. Allez, les nordiques, là, votez, et quand je dis... Voilà. Ouais, ouais, Ragnarok. Ragnarok, c'est tout le temps... Voilà, ça va pas être bien dur d'augmenter le militaire. Ah bah oui. Ah, et ça peut être dur de monter militaire. Doppelganger, ça avait bien marché. Eh ben, il partira. Il veut stabiliser le royaume pour toi. Ça, c'est beau, ça. Il veut peut-être banguer la reine. Hein, Ah, c'est vrai que sa petite tête de leucémique, là, elle peut exciter plus d'un. Hein. Ouais, ouais. Non, mais ils sont littéralement tous noirs. Attends, c'était quoi leur objectif? On n'a pas le temps de lire la fiche. C'est la défiance. Ouais, oui, mais de combien? Parce que là, je vois que c'est validé pour l'instant. Non, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient, comme le jaune la dernière fois, il faut qu'ils aient le moins de défiance parmi toutes les factions. Ah, ok. Je pensais que c'était baisser la défiance des autres. Okay, là, n'hésitez pas à voter, les mecs. Oh, faire la chasse à la sorcière, ça c'est beau quand même. Hein. Moi, je dis, on a déjà eu assez de famines dans le sud, et on a assez de fois comme ça, donc on va... On va planter des carottes. Nous, quand c'est pour jouer le gameplay, c'est beaucoup trop facile de savoir. Panzer, oui, tu es jouer le RP. Tu es joueur, hein. T'aurais pris. Oh, t'avais automatiquement gagné. Bah oui, ouais. Mais c'est pas drôle sinon. Ouais, mais attends, sinon les communications, c'est peut-être rigolo aussi. Merde, j'ai pas merde. Bah ouais, écoute, rien. Ouais, mon petit pote. Qu'est-ce que tu dois faire là? C'est monter à 5 ou plus. Ouais, mais Le premier, ah, vous êtes déjà bon, les gars. Rigolo, putain. Maintenant, les patriciens, que doivent-ils faire? Le monopole, la conspiration ou la corruption? Ça va aller. C'est un courage, j'aime bien pour racheter tout le monde. Ça va être chouette, ça. Ça va aller direct sur le trait. Allez, hop. Tout doit s'acheter, évidemment, moi. Évidemment, c'est déjà bien parti. Pas monopole, ce serait trop facile. Rigolo. Oh, c'est pas dix. Ouais, moi, je suis le seul à prendre un truc où je vais pas win direct. Tu vois. Et que ce soit à 4 ou moins dans 3 tours. Si vous êtes tous bons pour l'instant. C'est. Je sens que cette partie va essayer d'être rapide. Curieusement. J'ai l'impression que reprendre les games, c'est plus compliqué que. Ok, il y a une avalanche. Bah, surtout quand on a perdu, je pense. Avant. Bon, la maréchale est revenue, tu vois, elle avait démissionné et elle est de retour. Non, mais elle dirige le nouveau, pour le nouveau, la nouvelle reine. C'est une maréchale noire. Oui, mais elle avait démissionné, tu te souviens pas? Il faut que la maréchale ait tout moi des blagues. Écoute, moi je vais prendre les guerriers du Nord. Hein. Oh là, ça mérite un peu tous les personnages. Mais qui sucent des bites. Ah, quoi. Bah oui, et toutes les nordiques. Non, je déconne, je prends les gladiateurs. C'est ce que j'allais dire, ça augmente. Ah, bah attends. Ah là, des. On va quand même faire semblant d'essayer de gagner, même si c'est ingagnable. Allez, des hommes mouilleux. Les avalanches. Alors ça, c'est un événement qu'on n'a pas encore eu. On notera qu'on avait été fidèles la dernière fois d'Arfish, hein, jusqu'au bout. Les avaient été irréprochables. Ils auraient juste dû exécuter, mais la sorcière, là. Quelle sorcière, déjà? Les sorciers dans ce jeu, ils sont... Chiant de ouf. Quand on a eu, elle était pas ouf. Quand tu commences, même si tu sais t'essayer de les affronter, tu perds toujours. Ouais. T'es toujours perdant. Genre. Bon, allons-y, il y a une avalanche. Si tu cherches le gameplay du jeu et sa logique sous-jacente, une fois que t'as compris qu'il était woke et que tous les messages avec, tu sais très vite comment ça, les choses vont tourner. Pas tant que ça, pas tant que ça.
Bah typiquement aussi, hein, tout ce qui est les mages de la nature et tout, ah non, tu peux pas les goûter, tu vois. Ouais, si c'est, tu considères que la magie c'est woke, écoute. Bah non, c'est le côté nature. Ok, allons voir cette avalanche, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que je peux faire moi faire, hein, je suis incompétent tout. Ah oui d'accord, je peux rien faire, d'accord. Hey. Oh bon, ils ont dit ok. Comment esquiver un événement qui aurait pu que mal se passer? Et ben voilà. Tout le monde a fait ok. Il y a une révolte des paysans dans le sud. Je suis pas de colo. Ragnar n'est pas tout à fait noir. Je suggère qu'il y a un raciste ici quand même. Il prend des pains de soleil, il est en cours de transition. Bien sûr. Il est en cours de transition. Ils sont en train de jeter leurs outils, ils veulent plus travailler. Ils brûlent leur choses, mais non. Leur chose, putain, le roi, la reine, elle connaît bien comment se passe le royaume. Hein. Oui, les paysans, là, les machins. regarde ces singes, ils veulent devenir des moines. Alors, je veux pas dire, mais ils sont pas très bronzés, ces paysans. They want to have more exercise. ils veulent que leurs vêtements soient assortis avec le décor. Ils veulent plus d'exercice. Note athlétique esthétique. Oh là là. Le niveau de la reine, quoi, les gars. Le gros respect, quoi. Eh, hey, écoute, on y est jusqu'au bout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Fort, les gars. Oula, ça me dit quelque chose, ça. Infiltrer le culte. Leur péter la gueule. Ou alors, virer les causeurs de troubles et embaucher des nouveaux servants de la côte. J'ai décidé qu'en en tant que bon roi incompétent, en fait, je m'en fous. Débrouillez-vous les sudistes avec vos conneries. Tu peux juste mettre start vote à nouveau, hein. T'es pas obligé de faire un truc. Hein. Ah, c'est vrai, je peux faire ça. Bon, bah, messieurs, moi, je pense que d'avoir des serviteurs de la côte, c'est toujours excellent pour le business, donc voilà. Je pense qu'il y a certaines choses intéressantes. Moi j'ai envie de dire, une hérésie. Pas, ton vote n'est pas passé, Raviage. Hein. Ah oui, je sais pas pourquoi. Hop, je l'ai. Ça te fait trop tôt. Ouais. Oh bon bah il passera pas. Ah si voilà, non, c'est juste le lag. Il est arrivé. Et la foi qui va encore monter. Mais elle peut pas monter plus. Elle peut pas monter plus, hein. On a jamais trop de force. Ouais, moi je pense que c'est un point de merde, les gars. Je sens que le mec que vous avez envoyé infiltrer, il va lui-même se faire retourner. Ah, oh, si Raviage le dit. Eh, j'ai survécu deux saisons. Il me semble qu'on avait eu un event comme ça avec Raviage, mais je sais plus comment ça avait tourné. Ok, c'est moi, parti les mecs. Je vous avais laissé dans la merde. Non mais de toute façon, ce règne va être catastrophique. De nouveau. On est parti pour des décennies de guerre civile. Hein. On a rien. Je n'ai rien pour améliorer ma région. Je sais pas si vous rappelez le run précédent, Patricien, on avait rien eu. La game, quoi. Bon, je rappelle, il faut faire pour l'exclamation fund avec la lettre du bâtiment et derrière la somme à investir. Les deux premiers bâtiments sont financés. Moi j'ai envie de dire, vu que le nord se porte bien, on va leur faire un stade. Ah oui, on va leur faire un stade. Voilà, comme ça ils pourront se taper entre eux et pas aller taper les autres. Habile. Ah, ça y est, ça a fonctionné. Je sais pas pourquoi maintenant j'ai mon personal white sur le champ. Un théâtre qui est construit également. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Nordiques votent en faveur des costiers, mais pourquoi pas. Hic. Tu te trompes. Pourquoi j'ai mis de l'argent? Je suis con, j'avais pas vu qu'il avait financé mon propre truc. En plus, c'est idéal vu que Résultat, je sais qu'il va pas contre-financer le stade. Donc, ah, il a plus de pognon là. Les mecs du Nord, mais j'ai plus un rond en caisse. J'ai mis 501 pièces vu qu'il en avait que 500. Mais Résultat, il a mis le truc pile au moment où. Il a mis pile le truc au même moment que moi. Construisons un stade et un théâtre. Hein. C'est la culture avant tout. Le foot. Le foot et un peu de culture sérieuse quand même. Bah écoute, on a mis en passe le passe culture, t'es pas content. Eh, on a pas beaucoup d'argent, hein. Où est l'épouse ? C'est un royaume pacifique, Darfish.
Je suis une reine ou un roi? Une reine. Ils ont dit reine plusieurs fois, je le confirme. Ok, ok, ok. Je crois que t'es une reine, ouais. Ouais, il me semblait bien, mais Bon, écoutez, parce que dans les vannes, c'était on jette la reine à la rivière. Moi, je suis quelqu'un de... d'ouvert d'esprit. Dans ce cas-là, oui, on prend tout. On prend tout. Ah, par contre, quand c'est un mec, là, ça va pas prendre de grosse queue, quoi. Le classique. C'est RP. Je suis une chauve noire. Tous mes vassaux sont noirs. Nous sommes le pays du woke. Nous sommes au Wokistan. D'ailleurs, je vais renommer mon live. C'est vrai que Ghana est très connu pour être woke. Tac, je vais le renommer. Je suis le Wokistan. Oh, mais non. Voilà. Nous sommes au Wokistan. Ah merde, j'ai pas assez de place. Oh, nous sommes au Wookie. Allez, nous sommes au Wookie. Ok, c'est parti. Le dernier événement de la saison. Non, les fausses idoles. Moi, je t'avais dit, hein. Donc, je suis pas qu'il se fait retourner le machin. Je crois que... Oh, il y a des miracles. Attention. L'espion qui a été envoyé l'a vu soigner un bras cassé d'une femme, simplement la touchant. C'est des fake news. Je suis sûr qu'il a déterré le corps d'un saint pour l'utiliser. Écoutez, moi je suis RP et je suis quelqu'un d'extrêmement crédule et par conséquent c'est ouais, prophète. Je te dis, on aurait dû prendre des communications comme mission. Donc peu importe ce qu'on pense, les bouseux pensent, ils la croient. Donc qu'allons-nous faire? Donc premier test, on va tenter la foi. L'église doit faire de meilleurs miracles que la fameuse Ortega. Oh, l'inquisiteur. Oh non, l'inquisiteur. Les gars. Envoyez les inquisiteurs. Par contre, les inquisiteurs, c'est combien d'autorité là? Parce que 20%, c'est chaud. Hein. Ou alors, elle est uniquement un soignant et il faut la laisser faire son. Oh, merde. Moi, je ne crois pas en toutes ces choses. Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que. Je pense que c'est. Les inquisiteurs, c'est un très mauvais choix. Quoi qu'en vrai, Veto, vous savez quoi? Je pense qu'on peut tenter, on peut dire que l'église est tout à fait capable de faire de miracles encore plus stylés. Ouais, moi je dis, on laisse madame tranquille. Hop. On va faire un concours de voix avec elle. C'est ex aequo, c'est moi qui choisis dans ce cas-là. C'est ex aequo, ouais. Moi qui choisis. Et bah du coup, moi je vais prendre celle-là parce que j'ai pas envie de descendre mon autorité encore plus bas. Surtout que... Hein ? T'es pas joueur d'affiche. Les nordiques, ils veulent faire augmenter la défiance. Hein. Là, le jeu... Ah non, les grandis peuvent quasiment... Putain, tout le monde a rempli leurs objectifs. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde réussit en même temps? On notera quand même que Darfish s'en bat les couilles et lit pas, mais on a quand même une église. Ils ont ramené des chanteurs et les plantes poussent mieux. Hein. Donc ils ont découvert les techniques modernes où on met la musique classique dans les chants. Hein, ce qui est... Et nous sommes au Wokistan, enfin, c'est normal. Ah non, Darfish, c'est une vraie technique agricole. Hein. On met vraiment de la musique classique, exemple, dans les. Oui, j'ai déjà entendu ça. Dans les vignes et vignobles et tout. Et nous sommes au Wokistan, nous. C'est une technique révolutionnaire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Une découverte suite à l'avalanche qu'on a eu la dernière fois. Une tragédie, hein, vraiment une avalanche. Donc cette avalanche a permis de découvrir une ancienne porte en pierre sur incrustée dans le côté de la montagne. Ce serait peut-être une des tombes des ancêtres de Dominique. Oh, on va pas recommencer. Encore, ça fait beaucoup là. Ils ont envoyé des gens, ils sont pas revenus. Qu'est-ce qu'on fait? Oh mais on est dans Skyrim, il y a des grog. Écoutez, moi je ne veux juste pas que la défiance augmente parce que j'ai pas envie de perdre au bout de 3 tours. Maintenant, faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. On envoie les universitaires. On envoie des guerriers du Nord. Hein. Mais non, on envoie les universitaires. Ah, vous pouvez envoyer des guerriers du Nord, hein. Écoutez, vous voulez vraiment... l'armée du Nord est très 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 réputée, donc peut-être que... Moi je dis, la science trouvera la solution. Ouais.
Ah, ça dépend, hein. Si c'est des scientifiques du Nord, je leur donne pas quand même grande chance de survie. On va quand même, essayer d'envoyer des gens compétents là-dedans, s'il vous plaît. Ouais, compétents, en deux Surtout mots. Surtout que, les gars, on vient de dire quand même qu'ils ont envoyé des groupes d'hommes du Nord qui sont pas revenus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la force est... Attends, on va encore plus. Donc, que se passe-t-il du coup? Les gars, n'écoutons pas la reine, elle est assise, elle fait oui, oui. Donc on envoie des savants qui sont escortés par des gardiens et on espère qu'ils reviennent. Je suis sûr que c'est notre ancien plan Doppelganger qui a marché, mais que c'est les Nords qui l'ont chopé. Voilà. Aïe aïe aïe. J'ai encore réussi. Hein? Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Tu étais un festin et tu t'es ramené au festin, je sais pas pourquoi. Ah, c'est le fameux Il a réussi, il a trouvé un paysan qui ressemble à ça. Bien joué. Oh là, militaire qui monte. Aïe, aïe, aïe. Et c'est méta en plus, vu qu'elle vient littéralement d'ici. Le royaume va être dans le chaos. Et, maintenant, il faut qu'il baisse la stabilité à 4 ou moins dans 4 saisons. Ça va pas être très compliqué, je crois. Écoutez... on n'a pas de pognon, mais j'ai encore moins de stab, donc la pêche qui fonctionne bien. Putain. Et t'as du pognon en raviage. Et encore, j'ai dépensé 1000 pour rien. J'aurais pu ne rien dépenser. Dans la merde, dans la merde. Ah. Alors. Bien sûr, il nous faut... Tu verras que c'est pas ta mère, hein, ce coup-ci. Ouais, tout à fait. Ma mère... est-ce que j'ai une mère, de toute façon? J'ai sûrement des papas. Non, moi, je crois que tu viens de l'inoculer. Regardez-moi, putain, c'est un tu vieux. C'est un vieux. Dominique. Hotfin, le premier fils né de Dominique. Il est mélancolique, ok. Il est triste, quoi. Le mec, il... En même temps... Oh, c'est un artiste torturé. Juste il passe la plupart de sa vie il passe la plupart de sa vie sur les montagnes, il chasse les loups et les wyvernes avec d'autres bestioles bizarres du nord. Il a son charme. Il ferait un très bon roi du Wokistan avec sa peau noire et ses cheveux blancs. Au moins, je te propose d'avancer encore plus dans le Wokistan. Je t'envoie une femme. Le Wokistan, on a Clovia qui est une héritière riche de raviage. Salut, désert. Tu vas rejoindre le désert, on manque de nobles, c'est catastrophe. C'est vrai, elle est très jolie. Bon, elle est masquée, donc elle a probablement un œil qui dit merde à l'autre. Ouais, non, c'est de les coutumes. Voilà. Ah, elle est magnifique, nous dit-on. Le si chancelier dit qu'elle est magnifique. Le chancelier n'a jamais trahi le roi précédent. Apparemment, elle a une langue en argent. Alors, on s'en sert pour quoi? Ses intérêts sont classiques. C'est une expression anglaise pour dire qu'elle parle super bien. Elle aime l'argent. Et faire encore plus d'argent. Et ça peut être utile. Elle va prendre dans les caisses et va redonner aux patriciens, tu vois. Écoute, moi, ça me plaît si elle est capable de ramener de l'argent. Ah, alors là, on est au summum du woke. C'est le plus RP, la fille du sud. La fille du sud. Il t'envoie une meuf. La fille aînée de Panzerkampfweeb. Elle a été réputée d'avoir un ego de la taille du soleil. Nous sommes dans le Wokistan. Le gros ego, c'est ça. On est dedans. Darfish, n'oublie pas que tu veux lui baiser les pieds. Non, mais réfléchis. Elle est riche. Elle a un ego immense. Elle est noire, elle veut épouser une femme. Nous sommes au Wokistan. C'est... Non, alors, moi je trouve que c'est une bonne représentation du Moyen-Âge. Parce qu'il faut se rappeler que les pharaons étaient noirs, Darfish. Ouais. Voilà, donc c'est normal que les dirigeants soient noirs aussi. Écoute, j'ai pris ma décision, j'ai énormément réfléchi. Et je pense que pour le bien du royaume... Je pense que pour le bien du royaume, nous devons aller plus loin dans le progrès. Et par conséquent, il nous faut absolument une femme. Ah, déjà. Et pour aller encore plus loin dans le progrès, il nous faut pas quelqu'un de raciste. Par conséquent, on peut pas avoir quelqu'un de blanc. Tu es en train de dire quoi là?
J'ai dit que on peut pas avoir quelqu'un de raciste. Nous sommes le royaume du progrès, nous sommes le Wokistan. Ma fille, j'ai mis le genou à terre, hein, ma fille aussi, alors tu te calmes tout de suite. Alors, une femme qui met le genou à terre, ce n'est pas une femme qui se respecte. C'est une femme soumise qui ne sert que le patriarcat. Par conséquent, il faut prendre Ada. Elle sera parfaite. Pas parfaite, Ada. Ok. Je me demande ce que les prêtres du Sud pensent de ça. Écoute, les prêtres du Sud, je crois qu'ils aiment encore plus l'argent que la foi. comme tous les prêtres. Ok, bah, ça s'appelle des prêtres des côtes. Et on a un deuxième chef du Nord. Ouais. Ah, les érudits qui reviennent. Qui était déjà là avant, parce qu'il est revenu avec 2250. Tout à fait, il revient. Ouais. Ils reviennent et ils ont fini leur excavation. L'armée de guerriers est entièrement de glace. Les soldats de glace ont déclaré leur loyauté au roi Bjarnolf. Roi Bjarnolf ? Ludo. Oh, je sais pas, sûrement. Qui est le roi Bjarnolf ? Ah, parce que c'est un mec qui est mort il y a très très longtemps, 400 ans avant pour être exact. Salut Ludo. Ça rejoint petit à petit. Bienvenue au Wokistan, Ludo. Suite au coup d'état des Nords, le royaume est de. Il y a eu une petite épuration raciale. Parce que quand même, on est passé à 80% des nobles qui sont noirs. Tous les nobles sont noirs. Je crois que c'est plus que 80%, c'est genre 90% des nobles sont noirs. Bienvenue au Wokistan. Donc, ce fameux roi Bjarnolf qui était roi il y a 400 ans, qui était le roi du Nord indépendant, le fameux Nord indépendant. Il s'appelait Lulu le biscuit. Est-ce qu'on pourrait voir le squelette du roi qui est mort? Je crois pas qu'il est mort. Donc, nous avons des soldats de glace magiques qui veulent voir, qui veulent qu'on leur prouve que leur roi qu'ils ont prêté allégeance soit mort. Ouais, de nouveau, je dis laissons les mages, laissons les étudiants. Donc, soit on peut les faire voir le squelette du roi dans la ville principale des Nords, si j'ai bien compris. Hein. Ou alors Darfish, tu veux pas porter tes couilles? Est-ce que B, on ordonne les érudits de les démonter pour savoir comment ça fonctionne? Ou est-ce que C, on les scelle dans la tombe pour de bon? Est-ce que D, on leur dit que le monarque actuel est Bjarnolf? Écoutez, ce n'est pas parce que nous sommes woke. Oui, mais comment ça se fait que notre monarque est devenu une femme? Ah, t'inquiète. Ce n'est pas parce que nous sommes woke. J'ai fait une transition, ok? J'ai fait une transition. Ah non, messieurs, moi je dis, on a envoyé des écoliers commencer le boulot, bah faut leur laisser continuer. Hein. Exactement. On va laisser les gens qui savent faire ce qu'ils savent faire de mieux. Ouais, je vous propose quand même de dire que le roi actuel a fait une transition parce que c'est ça avant tout le progrès. Non, le progrès c'est la science, Starfy. Je sais pas tes théories bizarres là. Commence pas avec ton patriarcat, Raviage. Je suis. Les maths, noir, c'est raciste, Raviage. Je suis noir, je ne peux pas être raciste, Darfish. Mais non, Darfish, les statistiques. Si, tu es raciste quand tu as été imbibé de patriarcat, Raviage. Vas-y, ose dire que je suis le nègre de. Tu dois choisir, Darfish. Écoute, je vais choisir. Putain, je vais pas descendre mon autorité. Pas encore, hein. Je peux pas. Je m'appelle Bjarnolf. On voit que ça lutte contre la science. Ludo, je vois aussi que tu trahis la science. Hein. Tu laisses la reine faire ce qu'elle veut. Ça va propager. Ils acceptent. Ils proposent de servir les chefs du Nord locaux en tant que troupes de choc. Ils sont de puissants et dangereux guerriers. À quel point d'affiche est une couille molle? Oula. Je pense que si je leur demande de me jurer fidélité dans le sud, il va se passer un truc chelou. Et moi, ce que je vois là, c'est que le militaire est déjà au max. Et la défense peut descendre. Parce que je joue les statistiques. Je joue les stats. Les mâles sont peut-être racistes, mais ils sont nécessaires pour gouverner un royaume. Faut que le Wokistan pense à vous, mais bouh. Bah, du coup, c'est vraie politique wokistanaise. Ah bah, hé.
Deux poids, deux mesures, c'est important. Si un jour le Nord se rebelle, ils auront en plus des hommes, des soldats immortels. Bon, let's go, bro. Bah, écoute. De toute façon, ils vont faire quoi? Les Nordiques, ils vont remplacer leur roi nordique par un autre roi nordique? Oula. Bah ouais, si tu leur plais pas, ouais. Ah, voici donc Ortega. Stylé quand même, Ortega. Alors, on sait qu'elle a beaucoup de temps, je dirais qu'elle a le physique de du trône, habillé en haillons et flanqué par la garde du palais. Que peut-être que tu vas être islamophobe, hein, là. Ah, je pourrais être islamophobe. Non, mais elle est blanche. Donc, c'est bon. Et alors? Alors, Darfish, tu peux pas être musulman et blanc. Ah bah bravo, Darfish, rétrograde, est-ce que je veux. Je n'ai pas de. Je n'ai aucun argument à opposer à ça. ok, Ortega, est-ce que je voulais te voir. Tu ne crois pas en. Enfin, je le sens, mais tellement pas. En mettant de côté ce qui n'est pas nécessaire, elle se rapproche du diable. Et il lui a donné l'habilité de soigner. Et elle est obligée de l'utiliser, du coup. Bah, nous aussi, on y arrive. Archevêque. On fait même pousser des citrouilles avec. Salut, Dominique. Dominique aura ruiné sa famille. Comment est-ce qu'ils peuvent réclamer du 9e dieu alors que c'est un hérétique? Mais en quoi est-ce que c'est un hérétique? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Bah, elle ne suit pas les dogmes officiels. Donc, elle dit qu'elle n'est pas hérétique. Ok, ok. Donc, soit on l'exile. Je sens que ça va mal se passer. Soit on demande Ortega de faire un prêche en faveur de la couronne. Ça, c'est bien, ça. Ou alors l'avoir exécuté. Attends, t'es mal à la gueule du prophète. Je vais personnellement m'abstenir. On fait un jet de dés en fonction de la moyenne de foi du royaume. Écoutez, le roi ne se mêle déjà pas des politiques alors de religion. Est-ce que vous... Oh, ouais, ça c'est mes couilles, ouais, le roi. La reine. Oui, c'est vrai. Je suis le roi Björning, je te rappelle. Je suis le roi Björning. La côte ne s'occupe pas de telles choses. Moi j'ai envie de dire, si on peut pas brûler de sorcières, bah au moins il y aura des hérétiques au menu. Non. Dommage, elle m'avait l'air tout à fait sympathique dans ses haillons. Oui. Je ne vote pas. La côte ne se mêle pas de ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'elle était un petit peu claire pour être sympathique, d'accord. Si on entend des bruits de fantômes qui crient, c'est qu'elle était coupable. D'accord. On l'a décapité, tout va bien. Ah! Et l'archevêque me file du pognon! Et même... Ah, tu vois l'église? Halla Wakbar, comme on dit chez l'église, nous. L'église, tu t'achètes. Moi, je trouve ça normal. Tout s'achète et se vend. Ceux qui suivent la vraie foi sont toujours récompensés d'Arfish. Alors, moi, je me demande si elle va pas se relever, hein, pour être très franc. Je crois que Raviage a réussi son objectif, hein, un de plus. Voilà, tout le monde accepte des petits cadeaux. C'est compliqué. C'est bien. Donc, étape suivante, vous devez démolir le respect du envers la reine, d'accord. Le chancelier. Et ça, je pense. Il faut que vous descendiez la stabilité. Donc, je récapitule, hein, les bleus et les verts doivent descendre la stabilité et les jaunes doivent monter leur farming. Mais on l'a déjà monté là, nous. Ça doit être juste encore. C'est au prochain tour. C'est que vous aviez un truc qui prenait plus de temps à monter. Ouais, Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre du pognon. De toute façon, moi je dis l'état est faible, l'état est un état failli. Il faut laisser le secteur privé reprendre. T'allais dire le socialisme. Ah, le mariage royal, regardez. Hey, est-ce qu'on n'est pas beau? J'ai envie de dire, le socialisme, c'est ce que prêchait l'autre hérétique. Donc, pas de possession personnelle, tout ça. Allons-nous marier. Regardez quel beau mariage. Le mariage, ce n'est pas du tout le patriarcat, il faut le savoir. Vive les reines. Vous êtes maintenant déclarées femmes et femmes. Rien n'est dit dans la surtout Bible moi que... qui suis un ancien homme, hein, je rappelle. Rien n'est dit dans la Bible que Marie n'a pas été fécondée par une femme.
On ne sait pas le sexe de Dieu. Putain, mais c'est les prêtres du sud qui parlent comme ça. Alors, on a dû revoir notre copie, sinon on se faisait exiler du royaume. Il y a eu une petite réforme religieuse là. Alors, elle est extrêmement triste d'être mariée dans la cathédrale Saint-Bertrand. Bonsoir, moi. Je n'ai. Ouais, non, je pense qu'elle n'aime pas l'église. Elle n'est pas le chef religieux. Non, non, elle dit juste que les églises au sud sont plus grandes, Terfiche, tu sais pas lire. Oui, j'ai compris. On a dû faire un peu de syncrétisme avec la foi du Nord. Bah... Je suis nordique, j'aime les arbres qui ont des glands, je rappelle. Ouais, t'aimes les glands, ouais. Voilà. Est-ce qu'il sort des glands? Ah, regardez aussi, comment elle est sympa avec moi. Elle est sympa avec moi. Et elle a dit que j'avais l'air d'être super beau. Et on change de sujet, d'accord. Visiblement, ce n'est pas moi qui l'intéresse le plus. D'accord. Okay. Elle aime Dieu. Elle est entourée de païens et de pêcheurs. Jean Garfiche est lui-même bien du nord païen. je sens que ce mariage va bien se passer. What could go wrong? Moi, à rejoindre les. Oh, bienvenue. Moi et première. Moa, première puissance économique. Ouais, devant la reine elle-même. Reine sage roi, c'est plus non, très clair. Non, je suis de plus que lui, il me semble. Manque d'armes. Recule plus d'argent, Léo. Ludo réclame des bateaux. Comprendre. Bah ouais. C'est vrai que votre force militaire pue la merde. Alors, embaucher des mercenaires, ça c'est hors de question. Je ne veux pas dépenser mon précieux argent. Non, on peut lancer un grand projet de construction navale, moi ça me va. Ouais, nous pourrions simplement dire que, bah, finalement, on a besoin de. Tunat. Salut, bah, Tunat. Bienvenue. Mais Derfiche, en fait, tu veux vraiment nous couler, quoi. Ouais, bah non, si t'as pas de bateau, tu veux pas couler. Bah écoute, ça te coûte rien, laisse-nous lancer la construction d'une flotte. Ouais, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de voter pour le B, c'est vrai, j'avoue que c'est pas mal. Bah oui. Votez pour le B. Nous autorise. Votez pour le B. Ça veut dire quoi? Oui. Ah, c'est-à-dire que tu nous payes pour le B? Ouais, c'est que c'est le truc. C'est pas qu'il nous paye, c'est que si tu votes pour ça, tu gagnes 500 balles. Mais c'est pas prélevé de la trésorerie royale. Non. De toute façon, c'est des problèmes de bateaux. C'est des problèmes de patriciens. C'est aux patriciens de gérer ça. Moi, je vois que c'est le truc où il y a plus de chances d'avoir un succès. Donc après. Alors, Tunat, de quel côté est-ce qu'il a rejoint? Il a rejoint du côté des patriciens. C'est dommage. Animé quand il y a un deuxième chef. Trade problem require trade solution. Bah, tout le monde a pris son petit sa petite cassette au passage. Et notre bol. Bah, Ludo a pas le temps de voter. C'est édifiant. Voilà, le militaire qui monte de 2 crans, le trade de 1 cran, la loyauté qui descend. Et est-ce que si ça se trouve, on va pas avoir de rébellion? Alors, y une fois, une flotte côtière qui défend les routes si commerciales. Si la stabilité descend assez vite, il y aura peut-être une insta-win s'ils choisissent de partir sur trade. Écoute, bon, visiblement, on a exécuté leur prophète. Maintenant, c'est un martyr. On va les exécuter tous. Il y a des sauvages partout. Salut, Arlenus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a des sauvages qui ont perdu leur prophète qu'on a exécuté. Écoute, c'est la justice, hein. Alors pour être franc, qu'est-ce qui s'est passé pour que je le sache? 60. Alors il y avait une hérétique qui disait oui, vous avez pas besoin de posséder des choses pour être heureux, tout ça. Donc on est allé voir la reine. Exactement, donc on l'a décapité. Passé, ouais. Et maintenant, il y a ces suivants qui disent oui, c'est dégueulasse, c'est pas très éthique. On a d'abord demandé quand même à ce que l'église montre qu'ils avaient une plus grosse bite qu'elle. Hein, voilà, elle faisait des miracles, donc on a dit d'accord, on fait des plus gros miracles. C'est littéralement ce qu'on a fait. Non seulement on guérissait les gens, mais en plus on faisait pousser les patates plus vite. Voilà. Et en plus, ils avaient des sentiments dans leurs yeux.
Ah, eh, si les yeux brillent. Et des paillettes dans les cheveux. Des palais dans la vie, on a mis des palais dans la vie. Bienvenue à Arlenus et à Takozen. Ah, Arlenus qui rejoint ceux qui ont de l'argent. Très bien, Arlenus. Ici, nous sommes le progrès, nous sommes les marchands. Bon, écoutez, pour la science. Je pense que l'armée royale n'a absolument rien à faire là-dedans. Vos problèmes de foi ne nous regardent pas en tant que païens du Nord. Non, je sais pas faire baisser ma stab en fait. C'est... Maintenant, en fait ce que vous voulez, ça me regarde plus. Okay. Bah écoutez les gars, moi je propose que l'église serve enfin à quelque chose pour une fois. C'est leur boulot. Comment ça à quelque chose? On a dû faire des miracles et on va en refaire. T'es pas l'église hein, toi mec, t'es juste un mec du sud qui aime prier à l'église hein, calme tes fesses. Tout le monde vote D, écoutez, si tout le monde est d'accord. On est très lié à l'église, je te rappelle que au souvenir du roi précédent, on avait déterré un saint qui était l'ancêtre d'un de nos. Ah ouais, on a bien fait de le réenterrer parce que personne voulait de lui au final, d'un cadavre, tu m'étonnes. Oui, mais en même temps, je rigole, tout le monde voulait de lui, ils ont même, on l'a réenterré, il a été redéterré pour vendre ses reliques, enfin, on sent sauvage ensuite. Ah bah c'était du commerce, c'est bien. Alors à notre défense, on avait voté contre vendre ses reliques, mais bon. Oui. Au moins elles apporteront la paix à l'âme à ceux Aïe. L'archevêque est une sale merde. Il a fait un discours à la Macron et ça a énervé tout le monde. Mais regardez ces parasites de l'État quoi, qui sont là, prennent nos impôts et. On veut pas la retraite à 64 ans. On a des LBD dans nos prophètes. C'est globalement la merde, hein. Aïe, le sud. Alors, qui réussit. Bah, il était temps quand même. 9e héros qui a été prophétisé, s'est manifesté, et globalement, c'est la merde. Ah, mais c'est Jésus 2. Ouais, vous avez Jésus 2 qui a pop. Après, je trouve qu'elle est quand même stylée avec ses jeux jaunes à sortir. Le trade est en. C'est très. Jésus 2 qui fait pousser. Jésus 2 est en train de tout faire pousser au sud, quoi. C'est Jésus qui fait le Jésus le marchand. Ok, maintenant. Non, c'est possible. Non, mais arrêtez, les mecs. Je veux plus là. Alors, tout là, monde là des non, mais. Veux, je crois qu'il va y avoir un problème. Ça va mal se passer. Non, mais les mecs, non, vous êtes totalement cuck en fait. Non, tout le monde doit faire pareil. Mais non, parce que si vous faites votre étape 2, vous validez l'étape 3 pour les jaunes. Donc vous avez automatiquement perdu. Pas du tout, on est tous à l'étape 2. On est tous à l'étape 2. Ah pardon, je crois que c'était en étape 2 déjà. Non. Et d'ailleurs, tous dans 2 saisons, hein, on le notera. C'est la galère. Ah, il y a des pirates. Ah bah on avait bien fait de construire. Couler le royaume. À défaut de couler. Bon, on va faire les events du nord au sud. Hein. Plainte de marchand. Ici, il y a le marchand. Ah oui, on commence par les corons. Du marchand de la sud, du sud, donc corrompu. Bah oui, bah écoute, on fait tourner le commerce. On fait tourner le commerce. Aussi, monopoles. C'est compliqué, les monopoles, on le sait. Un monopole, c'est juste du bon business. Si j'étais vert, c'est ce que j'aurais fait sans hésiter. Quoique, il y a du point. Ah non, ça baisse là. Ah non, c'est du bon business. Demandez que le. Ils peuvent corrompre les patriciens, mais il faut me corrompre moi aussi. Moi je dis, pourquoi pas. Ou alors. Briser le monopole. La C est excellente pour moi. Vous aimez le pognon, les mecs, ou pas? La B est pas mal. Laisse le business tourner, Darfish. Ne mêle pas des affaires privées. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que la A, c'est la pire. La B, ça va me faire chier aussi, mais au moins, j'aurai du pognon. Et lui, tu son veto là-dessus, il est débile. Ok, messieurs, je vous propose de voter B. Ouais, mais moi j'aurais du pognon. On va demander l'aide de l'État. Votez le C, votez le C. Que l'État commence à accepter le. Au final, notre objectif c'est la corruption de l'État. Donc si l'État commence à accepter les pots de vin, c'est bon aussi. Alors, Raviage, il parle comme Macron. Raviage, c'est Bernard Arnault qui est derrière Macron. Accepte les pots de vin. Tu seras réélu, t'inquiète pas, ouais.
Ouais, au moins je gagne de l'argent. Et hit the bugs, n'oublie pas Darfish. Les joueurs ont déjà réussi leur objectif. Des pirates. On l'a tous réussi, t'es débile. Ah pardon, ah oui, j'ai réussi. Oh, regardez Arlenus, comment il est beau. Encore un black, bienvenue Arlenus. Bienvenue au Wakistan Arlenus, tu es des nôtres. Faut faire quelque chose à propos des pirates, ouais, écoute... Exact, c'est un vrai problème. Voilà, ils perdent de l'argent, le pauvre Arlenus. Bienvenue au club. Voilà Arlenus qui se fait piller en plus, ce navire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ordonne la flotte des patriciens de patrouiller? Oui, dans ce cas-là, laissons la flotte. Je rappelle qu'ils ont deux puissances militaires. Hein, Ouais, bon, on envoie leur armée quand même. Est-ce qu'on paye les pirates pour se barrer? Je sais pas... C'est quand même pas une bonne idée, ils vont revenir. Parce qu'on ne peut rien faire. On peut rien faire. Là, honnêtement. Sur les pays, ils vont revenir. Est-ce qu'on sacrifie les quelques navires qu'on vient de construire? C'est ça la question. Après, ça peut passer, hein. Il y a quand même 20% de chance que ça passe. Hein. Vous savez quoi, de toute façon. Moi, je suis niqué. Moi, je pense que le mieux, c'est la C. Non, mais Darfish, t'as enlevé le truc qui donne de l'argent, ça aurait pu compenser leur perte. Justement. Je sais que quoi qu'il se passe, ça se passera mal pour moi. Notre fier petite flotte à la guerre. T'as 20% de chance de réussir. Moi je pense qu'il faudrait les payer, de toute façon c'est pas notre argent. on perd des troupes. S'ils sont confiants. Je t'avoue que le B c'est celle qui me faisait le plus peur parce que j'ai pas une chambre de pognon. J'écoute les experts, si les marins me disent qu'ils vont y arriver, bah ils vont y arriver. Moi je dis. Écoute, moi je sens qu'ils vont repasser à zéro de militaire. Et je prierai pour eux. L'État ne devrait pas intervenir dans nos affaires privées. Si le 20% y passe. Aïe aïe aïe. Ils sont tombés à zéro militaire. Bah oui. Alors, bien joué. La flotte était payée par l'État. Non, la flotte on l'avait construite par moi. Ah oui, c'est vrai. Vous avez perdu votre flotte, hein. Et elle a tenu littéralement 6 mois. Félicitations à tout le monde, bien sûr. Bah, tu vois, l'affiche, c'est ça de jouer RP. Pas jouer bâtard qui joue les stats. Si une baleine échouée. Peut-être que tu peux en faire un bateau, on sait jamais. Ce serait très chad. Je sais pas à quoi ça ressemblerait. Mais... Donc, nous avons une baleine qui s'est échouée à côté de la villa de Ludo. Il a demandé à ses servants de la... Alors, Blubber, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas. En gros, il a l'exploité. Son sacrifice de baleine, peut-être. Et maintenant, il y a un mec débilos qui vient lui demander... C'est le peuple de la mer qui veut récupérer la baleine parce que c'est leur ami. Alors que nous, on veut la découper pour faire de l'argent. Ce sont les Finfolk, ce sont des mecs à tête de crapaud. Et ben écoutez... Oh, il est stylé. Raviage, écoute-moi. Oh, il est stylé. Si on fait un petit échange, tu gardes le pas d'argent, mais ils arrivent à se débarrasser des pirates. Est-ce qu'il y a moyen? Bon alors, il veut son âme... Mais sinon, c'est pas mal, c'est un deal. Mais c'est pas moi, hein. Là, de toute façon, c'est Ludo, hein. Dans des il vit sous la mer, sous l'océan. Bon, on a Ludo, l'infâme blanc patriarcal corporatiste qui veut faire du pognon. Non, bah, écoute, comme tel un infâme capitaliste. Ça, ou alors nous avons le brave immigré de la mer qui veut sauver son frère échoué sur la plage. Alors par contre, la C, ça va être un peu dur de la déplacer sur 2000 km. Effectivement, ça fait beaucoup. Bah écoute, tout peut arriver. Alors, laissez-le récolter la baleine. Ça me présente une connaissance de l'homme poisson. L'arfiler au peuple de la mer. Le père de Ludo était un homme poisson. Pas ou alors l'exposer dans la salle du trou. Ludo a été traumatisé par son père qui désormais en veut à tous les poissons du monde. Je vous présente une connaissance de mon père l'homme poisson. C'est vrai que ton père avait des branchies, j'avais oublié. Ah Ludo, tu veux faire B? Ok. Moi, Ludo, c'est ton poids, c'est ta carcasse, si tu veux pas la voir. Si tu veux la rendre, moi je suis, c'est tes affaires privées, je suis le. Personnellement, vu l'état de la flotte des patriciens, on va laisser les hommes poissons récupérer ce qu'il aurait dû. Je vous invite à gagner de l'argent.
et on reviendra quand on aura 6 ou 7. On va les gober, messieurs. Hein. Je vous invite à gagner de l'argent. Je comprends. Tous les patriciens, nous laisser notre collègue patricien choisir de ce qu'il fait. C'est sa baleine, on n'a pas à juger. Les morts reviennent chez eux. Alors, B, c'est pas laisser le patricien faire ce qu'il veut, sa baleine. Hein. Mais non, mais c'est lui. Mais Ludo a dit lui-même qu'il voulait B. Donc si le mec veut rendre la baleine, bah moi je... Bah, et après tout, c'est vrai que son père était un homme poisson lui-même, donc ça paraît logique qu'il respecte si en plus, ses potes. Nous recevons un cadeau du roi. C'est normal. Arlenus qui veut te pécho, Darfish, attention. Je pécho la reine. Hé, hey, Arlenus, t'as vu comment elle est belle? Elle vient du nord, hein. Et de toute façon, c'est pas comme si j'avais peur que les patriciens se rebellent, hein. Mais ouais, non, et comme ça, vous avez plus de poissons dans la mer, c'est parfait aussi. J'ai tenu incroyablement longtemps, hein. Nous sommes déjà à 4 saisons, 5 saisons. Non mais tu ne peux de toute façon pas perdre plus vite que ça. On a commencé en 76. Mais putain, encore, les patriciens, on a de nouveau rien pour améliorer donc notre pour ceux qui n'ont pas encore fait, je rappelle, il faut faire plein d'exclamations FUND avec la lettre de la bâtiment et la somme à investir. L'argent tout. Ah. Oh bah je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'en tout cas la stabilité rebaisse de 1. Écoutez, je pense que le commerce est la question plus c'est ensuite qu'est-ce que ça faisait en plus. Eh, vous remontez un peu l'autorité, vous faut... remontez un peu l'autorité. Ouais, eh, pourquoi pas là, il y a une belle bibliothèque. Je peux plus rester vocal, du coup. Moi je pense qu'il faut, il faut développer un observatoire dans le sud, améliorer un peu ces singes là. Pourquoi pas une très belle bibliothèque. Leur apprendre un peu c'est quoi comment tout ça se passe là. Je sais pas qui est-ce qui a investi 99 balles, mais... Bien joué. Ok. Panzer, oui, mec. Ah ouais, c'est sacrément de la merde, en fait. Ah, je félicite tout le monde qui accepte de financer une magnifique bibliothèque. Financez pas la bibliothèque, bande de débiles. Mais non, qu'est-ce que vous faites? Elle est vraiment formidable. Bien joué à tous. Bravo, bien sûr. Mais bande de débiles. Yes. Mais pourquoi il financer la bibliothèque. Mais non, elle est pas passée à la bibliothèque avec un théâtre. Oui, c'est théâtre. Ils ont mis le théâtre à la bibliothèque. Ah, je t'ai sauvé. Et elle a mis E et pas F. Aïe. Non, les patriciens peuvent se rebeller. On s'en bat les couilles, ils ont 0 de militaire. Putain, 3 de stable, 3 d'autorité. Non mais... Personne me respecte et personne n'est content, quoi. Non mais... Bon, oula. J'ai un héritier. Messieurs, nous ne nous rebellons pas. Je ne pense pas alors, que ce soit contre, dans notre des événements qui me font un peu peur, là. Vous voulez pas vous rebeller, c'est sûr. J'ai un succès à faire, si vous voulez, les mecs. N'oubliez pas, hein, point d'exclamation mais rebelle. Oui, hein. Je suis d'accord que la République serait une bonne chose, mais nous sommes quand même des êtres pragmatiques, je pense. Et nous ne devons pas... Nous devons quand même penser un peu... Je ne comprends pas, ma femme et moi, bien que nous soyons tous les deux des femmes noires, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'enfant. On passait trop de temps à militer, c'est pour ça. C'est... Comme, pourquoi s'il n'y a pas d'enfant? Écoutez... Je pense que... On a plus d'un... Ah, j'aurais dû prendre la première. Quand je vais prendre la première, dire ma femme et moi on peut avoir un enfant. Ma femme et moi on peut avoir un enfant. Le prophète. Ah oui, le fameux prophète, le 9e héros des sudistes vignerons fanatiques. Séraphina, bien sûr. Et marchand, n'oublions pas. Et un peu marchand sur les bords. Un petit peu marchand, un petit peu militaire aussi. C'est un peu tout. Des stats. Ouais, elle fait pousser. Mais t'as vu les stats d'enculé que vous avez quand même, les jaunes là. Ah, on est les plus équilibrés. Ouais, et puis pas si mal, hein. 7, non, 8, non, 7, 10. Bon, en fait. Ouais. Tu mets ça sur U4, ça fait le roi 5, 5, 6. Hein. Bon. il se paraît qu'il y a un prophète qui veut prendre mon trône. Ah, il paraît aussi que t'as un double qui se balade dans le nord, mais je dis ça, je dirais. Écoutez, c'est mon cousin, tu sais. On est nombreux là-bas. Alors, proposer des moins de taxes pour les habitants, pour la popularité de la reine, c'est pas mal ça.
PC. Oh non, c'est un peu de la merde. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Avoir un inquisiteur pour dénoncer l'hérétique Serafina. Ça, c'est bien ça. Mais c'est pas une hérétique. Moi, je pense qu'elle est hérétique. Je pense qu'elle est hérétique. Et en tant que femme noire nordique païenne, oh bah, je sais exactement de quoi je parle. L'argent, hein. Je vous invite à voter pour la thune. Ouais, votez moi, B prends, si vous voulez avoir de l'argent. Je prends les l'argent du roi. Hein. Bah, si vous aimez l'argent, votez B. Bah, on vous défonce pas, les gars. Moi, je prends juste la thune. Je rappelle que les 1500 balles pour faire le théâtre, c'est moi qui les ai payées pour te sauver. Pour sauver la stab. Bah oui, bah parce que c'était dans ton intérêt aussi. C'est pas pour moi. C'est compliqué. Ouais, c'est ça, tu fais ça comme si tu m'avais donné un cadeau. Vous avez vu quand même que je participe à l'enrichissement global du royaume, hein, et pas seulement culturel. Voyons voir ce que va faire l'inquisiteur. Ouais. Mais quelle bande de cons, c'est Clodo. On a gagné une saison. Et pendant ce temps-là, personne n'ose se rebeller chez les Verts. Oh non. Est-ce qu'ils peuvent se rebeller seulement? ils peuvent. Acheter pas mal de merde. Point d'exclamation rebelle, hein, bien sûr, si vous voulez vous rebeller. N'hésitez pas. Votre Majesté, machin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bazo, il se paraît que Dominique a fait des conneries. D'accord. Dominique, c'est pas le cas d'une ça. Ah, c'est moi. Il est plus là d'ailleurs, on l'a trouvé. À ce qui paraît, il y a un de mes doubles dans le nord. Ah. Que dois-je faire? Alors, est-ce que on triple la sécurité autour du palais? Est-ce que on fait une cherche générale dans tous les clans du royaume, enfin du nord? Ou est-ce que c'est on ne fait rien? Moi je pense. Est-ce que la meilleure réaction c'est ne serait pas de rien faire? Franchement. Je pense qu'en vrai c'est la merde. C'est la merde. Qu'est-ce que je peux faire? Si on agit et que ça fait plus de mal que de bien. Est-ce que ne rien faire, c'est pas la meilleure chose? Ouais, c'est vrai que monter la défiance, c'est pas ouf, mais parce qu'ils peuvent se rebeller. Et s'ils se rebellent, c'est chaud. Ouais, enfin, ils peuvent se rebeller, ils sont à 0. Hein. Ouais, mais si ça monte de 2, mec, ça veut dire qu'ils sont plus qu'à 1. Hein, je pense que le faut ne rien faire. Hein. D'un autre côté. C'est bien de glander. C'est pas loin la merde. Allez, mec, vous choisissez tous pour ça. Vous savez que les bleus, ça va vous faire perdre, hein, si vous pouvez pas vous rebeller derrière. Hein. Là, vous pariez que vous pouvez vous rebeller et derrière gagner contre des mecs qui ont juste 3 militaires de moins que vous. Ouais, sans oublier que le roi peut acheter des troupes et tout. Ouais. Ouais. Honnêtement, je crois que là, les nordiques, vous faites une erreur. Hein. Ouais, la méfiance monte de 2. Dire que encore 2 points ils pourront se rebeller. Pour l'instant, ce qui se vend du coup seraient les patriciens. C'est ça, bah c'est les patriciens qui vont avoir leur truc là. Ouais. Y'a pas un second là maintenant. Et si là, vous l'avez là. Hein. Ah ouais, on l'a. Ah, le trésorier qui trahit forcément. Non, mais on lui fait signer juste un petit emprunt. Maréchal qui est là. Aïe. Oh, le maréchal, il se plaint juste parce qu'on a de l'argent. Ah, voilà, un petit sac d'or pour conseiller. C'est lui qui a lancé BLM, hein, je le sens. Le sud avec nous. Quelques bons arguments pour convaincre les conseillers. Voilà, j'ai déjà 2 dans ma pocket. Bah, faut vous voter pour vos derniers objectifs, les verts. Bah messieurs, moi je vous propose c'est la rébellion d'acheter le royaume, hein, donc on go pour la banqueroute. Et pourquoi pas dire honnêtement que la reine... Allez les patriciens. Pourquoi pas dire que la reine est pas assez woke. Hein. Ça ferait un beau scandale. Comme ça on force voilà, tout, la privatisation de tout. Et, hop, pourquoi c'est pas pour moi?
le secteur privé, bah oui, moi, pourquoi tu de voter, il a pas compris. Non mais je l'ai fait, puis j'ai réfléchi. J'ai vu voter, puis j'ai voté. T'imagines, les patriciens dans leur village ultra secrète. Et puis t'as le mec du sud, moi je propose de faire ça les gars. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Moi je taxe pas trop parce que si je me mets à taxer les jeux mauvais gens, quoi j'aurais dû vous taxer, vous bande d'enculés là, les verts. Ah, je regrette. Tu regrettes? C'est ça que t'es en train de dire, Arsui? Non, je dis que j'ai bien fait de pas vous taxer. Une proposition capitale. Ah, on a une reine pirate, ok. Déserte. Alors, déserte, il est blond aux yeux bleus. Hein? Je pense que c'est l'entrée. A tout de suite, la police. Bon. Il me demande, il me propose d'envoyer des soldats à lui chez moi, hein, si j'ai bien. Il a survécu aux purges raciales, lui. Hein. Oui, tout à fait, oui. Un nordique blanc, déjà, je trouve ça curieux dans notre royaume du Wokistan. Alors déjà, non. Augmenter les forces de police, c'est une très mauvaise idée. Moi, hey, il est blond aux yeux bleus, il va augmenter les forces de police. C'est quand même, c'est quand même curieux. Ouais, non, ça me semble pas mal d'augmenter, ramener des troupes à la capitale s'il y a de l'insécurité. Alors, réponse A, mettre des soldats nordiques, ça monte la stab, ça monte l'autorité. La défiance des nordiques qui vont descendre et la défiance des autres qui va monter. Et on va perdre du pognon, les bandits vont gagner du pognon. Notre force. C'est sacrément de la merde. Donc, c'est... Alors, c'est vrai que ça avantage à fond les verts, hein, cette option. Ah ouais, mais on sauve le royaume de la catastrophe. Les aider les patriciens, je pense. Morph. Hein. Alors, c'est. Rien faire. Je crois, attention que si tu baisses encore, si tu commences encore à baisser ton autorité ou stabilité, c'est la merde. Tu vas commencer à avoir quoi les qu'il arrive, c'est la merde. C'est la merde, mais à fond. Bah, tu déjà, sais, là, je crois que c'est un event. Là, je crois que c'est déjà un event qui est lié au fait que t'as très peu d'autorité. Yes, je suis en train de me dire que le moins pire, c'est peut-être le premier en fait. Fais gaffe parce que tu vas perdre mid bad. Oui. Ouais, mais on n'est pas. Ouais, mais j'ai pas d'autre choix en fait. J'ai carrément pas d'autre choix. Attention d'en réfléchir à cette deux event. Bon bah messieurs, let's go. Je n'ai littéralement pas de choix. Parce que... Arlenus, t'étais débile. Arlenus, on s'en fout de l'armée, pourquoi t'as fait ça? Bon les patriciens, on va tomber pour essayer de poursuivre Arlenus qui a comme un début la VTB. Mais... Je crois que c'est finito. Bah, finito. Attends, Ils vont lancer. Va y avoir l'effondrement du royaume là, comme c'est parti, je pense. J'aime pas ce que ça fait l'effondrement du royaume. Je sais pas, mais je sais que c'est la fin de la game quoi. Eh, tu sais quoi, j'ai même envie de voir tellement c'est. Traitement en débat. Hein. Je joue RP, mon perso le proposait, ok d'accord. Là, je l'avais pas vu que c'était tout. Tounet qui est là et qui se plaint des pirates, d'accord. Une reine pirate qui s'appelle The Blood Gull. La mouette sanglante. Elle a fait une forteresse sur un petit morceau de caillou qui s'appelle l'île de la du cœur d'araignée. Pas se rebeller pour l'instant, on n'a pas de défiance. Sinon, au début de la rébellion, il n'y a pas bien que le Nord appelle les autres factions à rejoindre. Si on a déjà assez d'autres trucs, on peut se rebeller. Ah, il y a la moitié des bateaux quand même qui sont interrompus par les pirates. Hein. Ça peut être un problème. Attends, alors, ça c'est un miracle, ça veut dire qu'il reste des bateaux. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Bon, bah, la dernière fois, j'y sais rien, on y allait par nous-mêmes. Alors, ce coup-ci, on les paye, on a plus de troupes. Payer les pirates. Alors, je vous préviens, on ne payera pas les pirates, déjà. Maintenant, démerdez-vous, les mecs. Faites-vous plaisir. Bon, bah, mettons au moins une. Voilà, on va mettre petite prime. Mais non, on va mettre une petite prime, hein. On n'est pas des merdes. On va pas laisser des pirates. Tant que c'est vous qui payez la prime si elle a arrêté, moi ça me va. Oh, je voulais. Ah, tu me diras, ils ont les coffres pleins, ce sera pas un problème. Ouais, ils ont compte. On peut se permettre d'acheter des mercenaires. Arviage, il a 5000 balles en caisse, hein, quasiment.
S'il voulait, il pourrait racheter la couronne direct. Moi, il a 4000 francs. Comment t'arrives à faire autant de commerce avec un bateau sur deux qui coule? Ouais, écoute, le commerce marié, le commerce. Oh, ça a réussi! Oh, voilà. Un mec avec un nez cassé qui se ramène avec un manteau taché. Qui porte le. Alors, burlap, je sais pas ce que c'est, sac. Ah, okay, les... c'est, je suppose que c'est la tête. Oh, regardez-moi ce mec stylé. Voilà. Comme quoi, l'argent règle souvent les problèmes. Vérifie quand même. Ouais, on regarde. Vérifier. Ouais. Et moi, je veux vérifier. Avoir une armée professionnelle quand on peut avoir des mercenaires qui font le boulot. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il était un capitaine pirate, d'accord, un ancien ami de la... Elle a commencé à ce qu'on l'appelle, d'accord. Est-ce que la piraterie, c'est quoi? C'est pas la pendaison, ça? Franchement, c'est pas la pendaison, la piraterie? Darfish, tu veux encore baisser ton autorité? Moi, je suis quelqu'un, de juste. C'est que s'il y a un mauvais event qui arrive... C'est la merde. Putain, mais Darfish qui veut vraiment juste pas... Ah oui. Regarde ce commerce. D'un côté, c'était un pirate, pas un corsaire. C'est un pirate. Moi, les pirates, je les égouille. Déjà, on l'a laissé repartir, ça devrait être une récompense. Attack of the Dead Men, bienvenue au club du Wokistan. Attack of the Dead Men attaqué par des bêtes. Ouais, il s'est fait attaquer par des bêtes. Ah, ce sont pas de simples bêtes. Ce sont d'immenses créatures qui sont infestées de magie. D'accord. Un mauvais présage. Oh, moi, quel classe. Toujours noir, là. D'accord, il y a aussi d'autres problèmes dans les autres régions. C'est vrai que c'est la merde partout. Hein. Ah, nous, excepté le fait qu'on a que les seuls trucs qu'on a, c'est ceux qui gardent les toilettes. Ça va. Écoute, pour les victimes d'attaque. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aider les Nordiques? Est-ce qu'on envoie des mercenaires aider les Nordiques? Ou est-ce qu'on dit aux Nordiques d'aller dans les églises? Moi, je veux bien les aider, mais il faut qu'ils se convertissent. Moi, je pense que la foi, c'est important. Pour le syncrétisme. Non. Je pense que la foi, c'est important, et ceux qui sont pour la vraie foi gagneront de l'argent. Vénérez Dieu et enrichissez-vous. Alors messieurs, on vote A et on met fin à la game, hein. Ça peut être rigolo aussi. Vu qu'on n'a jamais vu ce que ça faisait. Votez plutôt C, c'est quoi le C? Allez pour le troll. Non. Bah écoute, Tarfish, j'ai jamais vu ce que se passait quand on atteignait 0. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Zéro d'autorité. Tu gères tellement le royaume de Mais non, mais là ils vont pas se rebeller les mecs. Mais non, mais c'est le zéro surtout. Là, ouais, qu'est-ce que je fais? Ils ont réussi. Ils vont devoir. Leur objectif c'est d'être de kidnapper la reine. Deux options, soit amadouer la reine dans le nord et pour la kidnapper. Baisser leur propre farming. Ou alors créer une crise de la bouffe. Je pense que ça va quand même leur demander encore de le baisser. Il y a des fiances. Et en vrai, les deux sont tellement faciles. Dans les deux cas, ils ont des trucs faciles. Hein. Les deux sont tellement faciles. Je crois qu'ils ont encore gagné les bleus là. Bah, ça dépend l'objectif qui va être demandé. Mais... Ça dépend de notre objectif. C'est ça. Bah, alors, c'est monter la. Va s'arrêter, la... Augmenter la défiance, c'est facile. Là, de toute façon, le Wokistan est en pleine anarchie. Là. Oui, bah, t'as vu ce que la reine fait comme merde. Nous, on lui propose des trucs. Bon, dans le sud, on a l'autre. Jésus qui va sauver le royaume. Une croisade? Il veut faire une croisade? C'est notre armée assez forte. Avec leur prophète? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Lancer une croisade pour réclamer le trône? Monter leur militaire ou alors prier pour un miracle? Bah, tu me diras, vu les deux. Oh les gars, faites pas prier pour un miracle, hein, vous avez gagné. Dans les deux cas, c'est gagné, je crois. Enfin, non, la première est quand même beaucoup plus dure. On va sauver le royaume qui n'a plus d'autorité, moi je dis. Putain. Ah, moi qui veux jouer la victoire, c'est pas rigolo. Mais vous êtes pas drôle, les mecs. De toute façon, là, la partie est finie, y a plus d'autorité.
Ouais, ça va te faire, hein. Après, je sais pas, c'est, moi, c'est, moi je l'ai jamais vu. Quelle reine catastrophique, quand même, hein. Comme quoi, le Wokistan. J'ai pas augmenté la foi juste pour voir ce que ça donne à zéro d'autorité. Bah, le, vous l'avez pas augmenté la foi, elle est restée à 10 tout le temps, les gars. Non, ah, là, alors attendez, je peux faire un truc. Vote anonyme. Eh, je vais prendre ça, je vais virer Monarch Choice, voilà. Jamais, ça peut peut-être. C'est la merde. Et les bleus, s'il vous plaît, vous rebellez pas tout de suite, on essaye de comprendre ce qui se passe avant. Ah non, mais voilà, c'est fini. Something wrong. I can feel it. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Après, moi qui ai pas d'autorité et que tout s'achète, moi je dis pas... Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit ma femme, là? T'étais en train de te balader, ce qui... Ah, tu n'as plus assisté à un meeting du conseil depuis des bah ouais, mais j'étais occupé avec ma femme, on essayait de faire un enfant, vous comprenez, entre femmes c'est pas facile, ça nous prend du temps. Voilà, du... vas-y, va profiter. Va profiter du bon temps. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est ça quand t'as zéro d'autorité. D'accord, le conseil dit juste Balek. Que genre, littéralement remplacé par le conseil. Les choses importantes, plus importantes. Ah, D'accord. Bien sûr, tu l'es, bien sûr, t'es important, bien sûr. Oui, bien sûr. Avec la petite cap-cap comme sur le chien. Parce qu'en ce moment, je sais à peine ce qui se passe en dehors des murs du palais. Si, quand je suis dans un réunion du conseil, je peux pas me faire entendre, d'accord, ok. Non, mais c'est bien, ça me semble logique. Vu ce qu'elle faisait, la reine, jusqu'ici. C'est rien de plus qu'une figure de proue. Ouais, c'est... Vas-y, ouais, je refuse d'accepter ça. Oh non. Oh là là, il y a un mec derrière moi de... Aïe, aïe, aïe. Bah oui, bah écoute, t'as dit « Je dissous le conseil, Zarfish, tu t'es pris pour... » Un assassin. T'as pas besoin de rébellion, on a gagné. Attends, j'essaie de comprendre qui a fait ça. Ah, tout le monde, d'accord. Okay, c'est... Bah écoute, tous les nobles pensent que tu es juste... Si le pantin ne joue plus son jeu... Je sors ma dague. La fameuse dague, parce que je rappelle que je suis le roi Björnling, donc il me reste un petit... ouais. Bon, bah... Too fast. Il m'a traité de tyran, quand même, hein. J'ai pas eu un seul choix depuis le début. Excusez. Bon. Bah, excusez-nous, ouais, on est en train de discuter au conseil. Maintenant, faut voter. Bon, bah, les gars... Je sais pas pourquoi de nouveau les patriciens on se fait niquer à chaque fois, mais... Essayez de voter. Attendez, quand même. Laissons voir à quel point ils nous sucent la bite, parce que c'est nous qui allons pouvoir choisir. J'aimerais que ce soit la jaune qui gagne, les mecs. Mais je pense quand même que c'est plus rigolo, la madame qui fait pousser des grains. Non, bah ouais, voilà. C'est une prophète et tout. La foi n'est pas... Alors que Hilde, franchement, elle a fait quoi? On peut tout à fait mettre l'argent et la foi. Ouais, je me rallie surtout à la faction qui est la plus forte entre les deux. Aïe aïe aïe, bon bah... J'espère que vous vous rappellerez le sud de mon vote. La reine Jésus. Aïe aïe aïe. Eh, 2 ans tout pile, hein. Et c'était bah, court. On va travailler main dans la main avec les patriciens. Voilà, l'affiche. Ah voilà, ça mène quoi des travards, hein. Écoute, au moins t'as pas gagné, Raviage. T'as raté quoi, Desert? Oh bah rien, juste je me suis fait assassiner. C'est non, mais d'affiche, peu importe, je gagnerai jamais peut-être, mais j'aurai toujours plus d'argent et toi tu ne gagneras jamais. Je suis déçu, on peut pas ramener l'ancien roi, tu vois. Du moins, on n'a pas eu l'event. Ah, peut-être juste qu'on n'a pas eu l'event. On fait quoi? On tente de recontinuer un petit peu ou on s'arrête là? Vous préférez? Moi je vais arrêter là. Je vais pas en lancer une parce que sinon ça veut dire finir à presque minuit. Bon. Ouais, c'est vrai. Bah, ça dépend, les parties les plus rapides c'est 20 minutes. Après, vu l'état du royaume. C'est pas dit que. Ah, ça allait. Un coup rapide au pire. Bon, c'est à minuit, on a pas fini en fait. Bon, allez. Bon, l'exclamation, join les mecs. Bonne soirée. On va voir, de toute façon. Allez, Raviage. Raviage, on a besoin. Oui, mais j'ai pas envie.
plus, Raviage. Allez. Allez, bébou. Bébou. Faut que je me fasse encore bolos. Mais non, là, on va marcher main dans la main ensemble. c'est toi qui me fais. Ça va, et je récupère une trésorerie très correcte et j'ai la stable et l'autorité. C'est quand même la couronnation. Surprenant. On demande. Bon, on va faire 2-3 tours, voir ce qui se passe. Vas-y, clique dessus, je suis curieux. Alors, c'est peut-être juste. Ou alors, c'est parce qu'on a dégagé l'autre que. c'est que je dois me changer en mettant ma robe waterproof. Bon, allez, écoute, moi je pense que la tradition c'est important. Ah oui! Et reste, on peut la dégager. Ok. Allez, merci. Moi je vais vous laisser des bisous. Ouais, salut! Ceux qui ne sont pas en vocal, hein, n'hésitez pas. Ah, moi je dirais bien une bonne messe pour célébrer l'occasion. Ah, t'as pas le même symbole qu'avant, pardon. Bon, tu sais, la famille, c'est comme le genre, c'est fluide. Écoute, visiblement, on part sur un petit coup de militaire, hein, une petite parade militaire avec l'autorité de la reine qui s'affaisse, hein, évidemment. Allez, si ça fait plaisir. Petit peu dans le cul des bleus, quand même. Parce qu'il est un peu max. Introduction du conseil. Oh, quelle classe, Panzer Whip. La transition a finalement été terminée. La transition est terminée, ouais. Je te rappelle qu'au règne précédent, c'était il y a 2 ans, j'étais encore une femme. Ouais, c'est vrai. Et t'es toujours la même personne, ouais. Ça vient un peu vieilli, là, quand même. Patricien de la Côte, c'est Arlénus. Arlénus qui a un sacré... Un petit côté Jon Snow. Et... C'est... Oui, c'est très... C'est un style, hein. J'aime bien les personnages random, ils ont vraiment tous... Alors, je veux pas être méchant, mais elle aurait pas eu son châle bleu, on aurait dit un PNJ. Ah, va-t-elle être une gentille reine? Et tu remarqueras quand même que j'ai pas eu une seule occasion d'augmenter mon... chemin vers la victoire tout à l'heure. Écoute... Je pense que ça doit être par rapport à la moyenne, parce que les patriciens, ils avaient aucun militaire tout le long. Ouais, peut-être. Après, t'avais quand même un militaire à fond. Et moi, je... Je sais pas, j'hésite entre le trade et le militaire. Donc la foi, c'est pas mal. On va partir sur le militaire. Il est forcément dangereux, parce que qui dit militaire haut dit rébellion très rapide. Mais bon. Ah, il suffit d'être gentil avec les gens, Darfish. Et je suis gentil tout le temps avec les gens. Ah, Estrid. C'est le même nom que la reine précédente, hein. Bien ami. Avec son petit coup là. Pas voter, hein, les bleus. Ça va être aléatoire, c'est ça? Comptez leur militaire. Aïe aïe aïe, c'est bien parti. Bon, bah, ça sera pas les jaunes, qu'est-ce que devait faire? Ah, ok, ils sont plus d'accord en fait. Genre, j'étais la prophétesse il y a pas si longtemps que ça. Ah, il y a tellement des résidences au royaume. Ouais, bah, mais là, c'est déjà 100 fois. Ça va être compliqué là, je le sens. La ferveur, on vient de le faire. La foi. J'ai le Gopokan. Le Doppelganger, on l'a jamais fait encore. Mais en fait, enfin, les trois, c'est déjà win pour vous en fait. Disons, la ferveur, c'est déjà win. C'est littéralement Jésus 2, donc il y a moins de faire Jésus 3. La dynastie Jésus. Là, vous avez tous gagné. Attends, on va voir les patriciens ce qu'ils ont. Attends, il faut qu'on garde ça pendant quelques saisons. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, descendre la stab, monter leur trade. Ok, c'est bon, vous avez win les mecs. Ah bah oui, bah.
Il a... C'est... Ça va être compliqué cette partie, je le sens. Mais les patriciens, on peut s'entendre. On a été élus grâce à vous, on peut vous réélire. Aïe aïe aïe, je crois que on va pas jouer longtemps. La garde, la garde, la garde. Si t'arrives assez vite à monter le militaire des patriciens tout en gardant la stable autorité, il y a moyen. J'avoue. Je vais jouer RP, je vais prendre les nonnes de combat du sud. Même si bon au niveau de la défiance. Ah quoique, est-ce que j'irai pas Je vais prendre les guerriers du nord parce que c'est ceux qui me font plus peur en cas de rébellion. On va essayer quand même de. On va quand même essayer de gagner hein, même si cette. Au Monopoly. Bon, qu'est-ce qui se passe? Des petits raids frontaliers entre le chef désert et le patricien Ludo, visiblement. Le trade de la côte est descendu. Le trade du nord est monté. Et la côte a perdu du pognon. Ah bah, c'est des petits raids vikings. Ah, il y a un vote quand même. Ok. Alors, est-ce que je dois ordonner au chef désert de commencer le patricien? Ou est-ce que je dois dire à mon spy master, mon maître des espions, d'investiguer? Salut Yalis. Ou est-ce que je dis à Ludo de montrer une preuve de ses accusations? Je pense que quand on accuse, il faut montrer une preuve. Je vous invite à cette démarche. Bienvenue à Yalis qui rejoint avec 300 balles en caisse. Merci. T'as oublié de mettre une lettre d'Edben. Il a mis oui, vote, mais coupé. Il a pas mis de lettre. Et ben, ça va, on a choisi monarque, c'est parfait. Aïe aïe aïe, la défiance des patriciens monte. Oh là là, non! Quel dommage, la faction avec le moins de militaires. Encore des... Eh, décidément, le sud... c'est la même chose. Ça va être encore Ortega, là, je le sens. Non, on peut se poser une autre option. Oui, c'est la suite, Yalis. Enfin, c'est la suite de la suite. C'est la suite de la suite, oui. La reine précédente, roi, qui était issue du nord, a eu quelques problèmes d'objets métalliques entre les côtes. Alors, issue du nord et de la diversité, mais... Issue du nord, c'est... exactement. Nous sommes devenus du Wokistan, maintenant. Mais elle avait tellement peu de... tellement peu d'autorité que tout le monde l'a oublié et quand elle a tapé du poing sur la table, elle s'est pris une dague dans la côte. C'est ça. Nous... Maintenant, Allah, bien sûr. Écoutez, je crois que... je vais pas mettre... Je vais quand même le... celui-là parce que j'ai envie de baisser ma stab. Facile de ne pas s'effondrer. Ouais Yalis, tu as raté un règne catastrophique qui a été catastrophe. Ertide, c'était ça que ça s'appelait? La reine Marchaud. Je ne me rappelle plus. Pour te dire sur la fin, elle avait tellement peu de prestance. À peine morte, déjà oubliée. Hein. Ouais, remplacée par Jésus 2. Non mais c'est bien, maintenant on sait ce qui se passe. Bon, les patriciens ont gagné un peu de pognon, les sudistes ont perdu un peu de pognon. Et la défiance a globalement baissé, donc une bonne opération pour moi. Déjà, le premier bâtiment à construire, qui avait gagné avant elle? C'était les Nordiques qui avaient imposé leurs prétendants. Leurs prétendants étaient tellement catastrophiques que... Et des maîtres en 2 ans. Nous sommes maintenant avec la prophétesse du sud, Serafina. Là, j'espère avoir un règne prospère. Qui règne prospère dit construction de nouvelles infrastructures. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à voter. Notamment, pourquoi pas, pour le hall, une belle cathédrale dans le nord pour évangéliser tous ces.
Ah, là, tu me fais plaisir, Darfish. Eh, ce serait pas mal. Pas mal. Eh, sinon, une belle bibliothèque. Option C. Très beau aussi. Genre une belle bibliothèque avec plein de bouquins dedans. Après, moi, je sais pas lire, donc ça me change pas grand-chose. Il y a des gens. Pourquoi vouloir baisser sa propre foire, lui? Parce que c'est un païen, voilà pourquoi. Nous avons construit un grand bazar qui augmente le commerce des patriciens et une cathédrale qui augmente la foi des chefs du temps. Pas mal ça. J'aurais dû prendre un gameplay foi. Je fais les maths là, 20, ouais 21. Ouais. Bon, on va essayer. Est-ce que je jouerais pas RP et dire que étant donné que je suis un prophète, je dois ne pas me marier. Ça serait drôle. Mais d'un autre côté, après, c'est vrai qu'on le mariage donne événements. Tellement des bons bonus que. C'est vrai que ça donne pas mal de trucs. Mais... Ouais, les jaunes ils ont des stats monumentaux. Hein. Série de 3 visages. Je sais pas quand ça correspond, série de 3 visages. T'as vu les 3 derniers? On va essayer de se marier à un homme car nous sommes une femme de foi. Ah, a l'air d'être très satisfait. Après, même si on a eu quelques petites nouvelles purges, il y a encore quelques restes de Wookiee dans les textes. C'est vrai que disons que la fin abrupte du Wookiee de la reine Estrid a un petit peu mis un frein au progrès, on va dire. Bon, nous avons notre Ortega qui a ressuscité visiblement, c'est encore un de ses miracles, hein, je suppose. Qui maintenant cause du bordel chez les patriciens. Ouvriers et des patriciens refusent de travailler et préfèrent abandonner. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que j'avais le choix et. Pourquoi pas l'assassiner en vrai? Avoir un peu d'autorité, parce que on a vu que quand on avait plus d'autorité, ça se passait mal. Alors, ma femme, je ne l'ai pas encore choisie. On est au tout début là, hein, Yalis. Là, ça va être au prochain tour qu'on va la choisir, je pense. Et la garde, j'ai choisi les Nordiques. Non pas parce qu'ils me plaisaient particulièrement, mais c'est juste que les Nordiques ont tellement de puissance militaire et avaient pas mal de défiance. On va voir si on arrive à l'assassiner, cette hérétique qui est capable de ressusciter. Une terrible malédiction. On l'a déjà eu, Steven. Oui. Alors de quoi est-il maudit? Ouais. Yalis a une malédiction. Le pauvre Yalis, il rejoint. Il sait pas ce qui se passe. Il a pas l'argent. Il a une malédiction qui fait perdre ses cheveux. Vous êtes juste vieux, enfin, ça se voit. Alors enfin, il accuse un de ses suiveurs, un de ses. C'est gueux d'être une sorcière. Alors Yalis qui n'est malheureusement pas. Attendez. On est 50-50 de toute façon. Laisse voter comme un. J'arrive, c'est random. Allez, désert est blindé, dis-tu. La cathédrale est servie à quelque chose. La cathédrale. C'est vrai que c'est le plus blindé de ce. 300 000. Cyrus, les radiations. Nous allons donc visiblement tester la présumée sorcière. C'est pas une malédiction, c'est juste une radiation de déchets radioactifs. Support alimentaire du Nord. Bourrillant vert, les mecs, c'est normal? Ouais, c'est normal. Mais non, les nuages qui proviennent des usines des géants des glaces, elles s'arrêtent à la frontière, c'est connu. Alors, est-ce que c'est un succès? Dis-moi, c'est un succès. Voilà, d'abord, on va dire si c'est de la faute de la sorcière, et si oui ou non, après, on la brûle.
parce que c'est une sorcière. Visiblement, elle a été jugée coupable. La chute de cheveux continue, Yalis le chauve. Oh, tout zéro de stabilité. Alors on a vu ce que ça faisait quand il y déjà avait pas d'autorité. Déjà un succès, hein, pour... Si, ouais. Si, nous avons le doppelganger qui passe, c'est pour les jaunes. Passe, on l'appelle Jésus 2.5. Descendre la stab à 4 dans 4 tours. Jésus 2.5, comme on l'appelle dans les couloirs. Moi je n'ai pas l'autorité pour taxer les gens. Donc je ne taxe pas, vous voyez. Allons voir les suiveurs de la martyre qui... Encore ? Pas content. Bah ouais, en même temps, ça fait deux fois qu'on la zigouille. En même temps, chaque fois, il revient, donc il doit pas être si, triste que ça. On va faire. Honnêtement... Ah. Je pense un test deux fois, c'est pas mal, hein. Stab qui va. Non, elle va monter là du coup. Allez les jaunes. Ouais. Ça me va très bien. Ça te va très bien, mais tu perds de la thune. Je perds de la thune, mais ma stabilité remonte. Maintenant, vous avez... y a plus de défiance en face. T'as littéralement t'as acheté la paix sociale d'Arfich. Eh ben oui, je suis l'ancien Macron. Pour de l'argent avec des euros en fin d'année. Des options pour le mariage. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? Ulf, le premier fils de Yalis. Alors Yalis le chauve qui n'a plus un rond. Il sait exactement ce qu'il veut et faire ce qui est nécessaire pour l'avoir. Il s'est fait... il est devenu incroyablement riche. Grâce à des très bons investissements. Alors, vu l'argent de son père, il pourrait partager un peu. D'accord. Allemand. Ah ouais, tous les matins, au lever du soleil, il va nager dans un lac gelé. C'est ce qu'on appelle un Tchad. C'est pas nordique, c'est un russe. C'est un russe. C'est un russe, ouais. Ok, pourquoi pas. Oula, un noir roux. On le voit pas sous son masque, mais il est également chinois. c'est les restes du Wokistan du règne précédent. Alors, la côte... Nestor, il s'appelle Nestor en plus, la côte. L'héritier du fils d'Arlenux. Le chinois roux. Le chinois roux d'Arlenus. Qui n'était pas à la base de... son frère aîné a eu un malheureux accident. Il aime perdre sa fortune à la reine, d'accord. Bon. Je t'avoue que le chinois roux m'intéresse assez peu. Je préfère le tchat russe du nord, tandis que le chat m'empêche de voir le tchat. Et finalement, Tristano, le leucémique du sud. Fils de Panzerkampfweib. Un ego de la taille du soleil. Aussi rayonnant que son crâne, je suis. En fait, c'est ça, c'est son crâne chauve miroite le soleil du sud. Et du coup, ouais, c'est l'image de son ego. C'est beau, c'est poétique. Il a beaucoup de foi. Ok, c'est le clone littéralement de ma femme précédente, hein. Écoutez, moi j'ai choisi, je pense qu'il y a quand même un tchat du nord. J'ai quand même le tchat du nord. Rien à dire quoi. Parfait. Le tchat parfait. Arlenus qui n'est visiblement pas très content. Arlenus, tu m'as présenté un chinois roux. À quel moment tu veux que je te prenne ? On se révolte. ça me fait penser, vous savez, dans Kaamelott, révolte. Je sais pas si vous l'avez.
C'est vieux maintenant. Ouais, la révolte à un militaire, let's go. Alors. D'accord, d'accord. On me ramène une. Ludo me ramène une hache en disant que c'est une preuve comme quoi il a été pillé. Ne me tuez pas. Non, je ne suis pas Astrid. Ok. C'est vrai que ça pourrait être celle, la hache de n'importe qui, hein. Ah, c'est un peu frère, quoi. Que faisons-nous? Est-ce qu'on arrête le chef déserte pour vol et assaut? Agression? Est-ce que on ordonne au chef déserte de payer un tribut au chef patricien, une réparation? Est-ce qu'on arrête les deux parce qu'ils sont chiants? C'est vrai que ça pourrait être une solution. Où est-ce qu'on stationne des troupes à la frontière entre le nord et la côte? Je vais mettre mon veto sur l'option qui me paraît la plus chiante. L'option qui me paraît la plus chiante, laquelle est-ce? Je pense que la C, on va éviter de faire la C. La C me semble assez chiante. Vous pouvez voter. La A est pas si mal pour moi, ça me convient à peu près. Bon, je perds la stab, mais je gagne le tour. Bon, ça fait réussir le complot des jaunes. Je sais pas pourquoi vous votez ça, les verts. N'hésitez pas à voter la D, je l'aime bien la D. Hein. Pas voter la D. Et la stab. Alors tout le monde a voté. Reste encore. Bon. Désolé, est déserte, mais cette hache, il y avait tout le sang dessus. Visiblement, déserte, il admet. Déserte admet que il a pillé. Giro d'abstention en France. Écoute, ouais, bah on a gagné de l'autorité, on a perdu de la stab, ça. Mais non, oui. Et non, et déserte, bienvenue à déserte 00002. Bienvenue au conseil. Et j'ai encore survécu, hein, non? Or, je crois que c'est le Ragnarok. Aïe aïe aïe. Je vais gagner un peu de farming, ils vont peut-être pas mourir de. Quels sont votre prochain objectif? Ça va leur être imposé pour le coup. Visiblement, il y a une histoire de géant hein, qui se ramène. Le Ragnarok, en fait, c'est ils ramènent les géants pour combattre avec eux, sauf que s'ils échouent. Ils essayent d'attirer une invasion de géants, et pour cela, ils doivent remplir le royaume de richesses à piller. Pour cela, vous devez monter votre trade jusqu'à 10 ou plus. Ouh. Ah non, les autres régions. Ah, combiné, putain, j'ai eu peur. Donc, bah, c'est un win en fait. Bah, pour l'instant, c'est win. Vous êtes à 18 déjà. Chaud, hein. Je vais choisir ce truc là, hein, c'est mieux. Ah, l'appel de l'argent, c'est toujours efficace pour ramener les gens. Ah, les gens ont tendance à... Surtout ce pauvre l'argent. Yaris. Chasse au trésor. Encore ce désert, hein. C'est le fils, mais toujours aussi casse-couille. Qu'est-ce qu'il fait? Une insurrection. Les paysans ont faim. Ils sont en train d'assiéger la ville de déserte. Bah voilà, c'est ça de piller les copains. Est-ce qu'ils ont des richesses au moins à donner? Il y a combien à déserte? Déserte, c'est le 2. C'est leur grand-grand-grand-grand-père. Ouais, apparemment, l'arrière-arrière-arrière-grand-père était un... en tout cas, on demande l'aide du conseil. Qu'est-ce que fait? Est-ce qu'on garde, on rassemble les troupes du nord pour repousser les paysans? 100% de réussite, hein, donc je pense que c'est...
Est-ce qu'on fait en sorte que le chef déserte paye les... Ou est-ce qu'on donne au chef déserte de l'argent? Je pense qu'on peut, on peut faire le A. Hein. Tant qu'il va raider ses paysans et pas raider les côtes d'à côté, tout le monde est content. Ouais, en soi, c'est pas mal. La C pourrait être intéressante, mais j'ai pas envie de perdre trop de pognon. Là, je suis déjà la merde. Voilà, suivez la voie de la monnaie. Ah, je perds la stab. Ah. Mieux. Ah, je gagne l'autorité, cela dit. J'ai beaucoup d'autorité, par contre la stab, ça va peut-être arriver à zéro. Hein. Un challenge honorable. Alors, autant la dernière, c'était pas d'autorité, mais une stabilité pas ouf, donc j'ai le temps là. Alors, vous pouvez pas vous révolter, j'ai trop d'autorité les mecs. Pour se révolter, il faut avoir plus de défiance que la stab et l'autorité. Pas réunis, mais les deux indépendants. Oula, quelqu'un a tué. Pareil, il y a des gens qui disent que je suis un apostat. C'est une grave accusation tout de même. C'était sûr, c'est pas toi l'hérétique. Voyons, un vaillant gaillard du sud. Attaque aux Denmen. Ça des noms. Non, pardon, c'est lui qui est un hérétique. C'est Ragnar qui est accusé d'hérésie. J'ai lu de travers, je commence à... Bon, un duel d'honneur. Un petit duel. Bonne chance, Ragnar. Entre le beau gosse du sud et la... Ah, personne du nord. Chance. Écoutez, si vous voulez battre... Ah, il est en train de... Eh, est-ce que je montrerai pas mon autorité un petit peu encore? Allez, bam! En tôle! En tôle! Eh, hey, autorité à 8, plus personne ne dit rien là, on me respecte. Ah, c'est sûr, là, c'est la classe prison, il commence à y avoir du monde. C'est la troisième personne. Trois personnes en tôle. Et un de... Non, il y en a deux du nord et un du... Donc les patriciens, normalement. Ah, un mariage royal, regardez comment on est beau. On va faire des jolis enfants blonds. Et un petit peu métis. J'avoue, c'est moche, Ragnar. Il n'y a même pas eu de petit duel pour le. Mais pour ouais, mais j'étais tellement traumatisé par la voie précédente où je me suis fait assassiner parce que j'ai plus d'autorité. Bon. Alors, on va se marier. Regarde, tac, la défiance de tout le monde. On gagne l'autorité, on monte à 9, la stab. C'est nickel. Ah, voilà, t'as raison, attaque de Denmen, c'est la faute de Ragnar. Ragnar, t'as raison, c'est la faute de Attack of the Denmen. C'est la faute... C'est pas la mienne, en tout cas. Ça, c'est une attitude positive. Il a pas souhaité l'union, et il espère faire en sorte que ça devienne un amour florissant. Qu'est-ce que t'en penses, le chat? Vous pouvez essayer très très fort. Mais j'avoue qu'il a une petite peu de chat. Ah, peut-être qu'on va tomber. Oui, moi je sens qu'un tel. Un tel. Chat. Je sais pas ce que je sers. Ok. Oh, bah ça se passe plus. Pas trop si. À part la stabilité qui est un peu basse, ça monte. Pas du temps. Ouais. Gagner du pognon, leur complot est réussi. Maintenant, leur objectif est de descendre la trésorerie en dessous de 1500. Donc, autrement dit, les bleus, les jaunes, faut que vous fassiez en sorte que la couronne s'enrichisse un petit peu là. La taxe les riches. Il y a encore des affaires de pillage d'ailleurs. On va voir. Il y a de l'argent qui a été découvert au sud. Une mine d'argent, tout à fait exact. Ludo veut essayer de la privatiser, visiblement.
prétend que cette mine lui appartient parce que c'est un vieux parchemin qui le prouverait. Attends, c'est de notre côté de la frontière. Ouais. Ouais, bon, elle est un petit peu de l'autre côté du continent. Alors, est-ce que la mine appartient où ? Elle appartient à la... Ou est-ce que vous devez partager ? Je pense que l'option C est... Vite, si vous voulez gagner de l'argent, à aller vers l'option. Et 13 secondes. On a voté là? Non, pas encore. Il manque encore une personne si je me trompe pas. Let's go, la stop qui remonte. Ludo qui a voté deux fois, malheureusement. A voté. Ah. Bon, hé. Le partage, ça paraît le plus logique. Avant tout, ici. Tu voulais pas faire la guerre, meilleur. Ouais, mais la guerre contre les autres, entre. Bon, du pillage. Voilà. Pillage, visiblement, c'est le nord qui pille encore la côte. Hein. C'est la stable qui redescend, mais arrêtez vos conneries. Ah oui, ils y vont pas de ma morte. Ah oui, ils y vont sérieusement, là. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les rebelles de la côte. Alors, envoyer l'armée du sud pour repousser les envahisseurs. Ah, c'est pas mal. C'est combien? C'est 40%? Ouais. Envoyer l'armée de la côte. Bon, ça, bon. Pas oublier, hein. Brûler les temples nordiques. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Attendre que les flammes se stoppent pour arrêter encore le chef déserte. Le fils se déserte. Putain, c'est la merde. Merde, c'est la... Moi, je dis, le pillage, c'est leur tradition. On brûle leur tradition et on n'a plus de pillage. La B me semble... Et votez A ou B, les mecs. En tout cas, les bleus et les verts, surtout, ne votez pas pour l'option qui fait baisser la stabilité. Je vois que les bleus se coordonnent pour voter. Mais non. Bah, qu'est-ce qui se passe du coup? Ça va faire baisser l'armée du... Ouais, forcément, hein, challenge à rater, c'est faux. Voilà, donc ils perdent l'armée. Moi, ça me... C'est un moindre mal. Je pense que c'est pas mal. La côte perd encore de la foi. Et les nordiques aussi. Alors, ce royaume part en sucette, mine de rien. Désert 2 est mort. Ah. Bah, les désertes, ça dure pas longtemps chez toi, Darfish. Et Yalis s'est fait. C'est vrai que désertes, il a eu quelques surprises. Ah, on va voir le 3. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un 3. Non, il y avait un 3 une fois, je crois. J'en rappelle plus. Ça, mais je ne sais pas le souvenir. Bon, un petit coup de main. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon cher époux Chad? Chad Ulf. Il a une compagnie de bûcherons qui est très très lucrative. Cependant, les lois actuelles sont un peu restrictives au commerce. Et un nordique qui fait du commerce plutôt que de piller, moi je dis que c'est bien. Attaque aux Odenmen, normalement tu peux voir tes stats en cliquant sur la petite icône qui doit être par là. La petite icône légende avec un petit château. Juste à gauche de l'autorité. Ouais. Une petite icône de ta couleur de ta faction. Tu cliques dessus, tu as ta thune, tu as ton... Attends, je te donne constat, Attack of the Dead Man, où est-il? Il y a 3650 d'argent. 6000 balles désertes.
Est-ce que on va libéraliser le... En même temps, il a tellement pillé, tu sais, il a pillé toute la côte. C'est ce que j'allais dire, je me demande d'où il tient tout cet argent. Bon, on va réfléchir, il me demande des choses. Je pense qu'on peut toujours, on peut toujours voir ce que ça donne. Bon, faites ce que vous voulez, mais ne faites pas baisser la stab. Elle pouvait simplement ne rien faire, hein, les mecs. C'est tout à fait possible. Hein. Bah là, la question est vite répondue. Hein. On va pas donner des privilèges aux gens des rachats riches, sauf les patriciens, ouais. Parce qu'ils ont froid. Ah, ce qui paraît que vous êtes des ingrats, hein, dit-il. Et au moins, il m'en veut pas, parce que j'ai essayé. T'as déjà assez d'argent, t'as pas besoin de privilèges. Et moi, je dis meilleur outcome possible. Hein. Ok, construire. On peut construire, alors, les mecs, là. On peut monter un peu votre trade, ce serait sympa, ça. Les bleus, vous devez montrer les trades des autres. Trade, putain, c'est ça. Putain, c'est des choix vraiment dégueulasses, n'empêche. En tout cas, ne laissez pas les jaunes construire une prison, surtout. Bien, hein, les verts, les bleus, faites en sorte. Vite. Ragnar, donc, vous avez du pognon, donc c'est le moment d'utiliser. Merci. Ah non, c'est Desert qui nous a donné un ducat. Pour faire un bazar. Eh bien, merci. Une réserve de servidés par les patriciens. Non. Une prison. Ne laissez pas la prison construire, surtout. Oh, il y a encore beaucoup d'hérétiques chez nous. Il faudrait enfermer. Ludo, ne construis pas la prison. Ça fait baisser la stab. Tu renforces tes ennemis. Reste 8 secondes. Ça se bat. Non, ils ont construit la prison, putain. Pourquoi? Ah merde, elle est passée. Ouais, c'est passé, la stab est très basse là. Oh. Aïe. Un rapport étrange, on l'a déjà eu cet event. À ce qui paraît, Panzer, tu me fais des conneries là. Mais non. On s'assure juste qu'il y ait un Jésus de secours si jamais il est arrivé des bricoles. Un doppelganger. Ok. Vous voyez le vote tout en haut là, les mecs? Faites-le. Je vous fais confiance pour le faire. Faites-le. Mais Ludo, t'es sûr que tu votes avec les patriciens là? Parce que depuis tout à l'heure, tu votes que dans l'intérêt des jaunes. Hein. On s'aide mutuellement. Aïe, c'est serré. Surtout que, genre, les patriciens, leur but c'est de faire descendre l'argent du trésor. Bah, pour l'instant, c'est ça. Attends, t'as rien à gagner, t'as rien perdu. Pour eux, c'est tout bénef là. Alors là, j'ai remonté un peu la stab. Par contre, le trésor qui descend. Il va falloir peut-être faire mon. Une offre tentante de la part de Ludo. On va. Eh, hey, pourquoi on va tu regarder? Quel est le point commun entre ton palais, une route et un pont d'Arfich? Ça coûte cher. Tout s'achète. Ouais. Salut à vous, jeune Messie. Ouais. Veulent me prêter de l'argent, je pense, c'est ça. Hein. Après, c'est pas encore le truc de l'event, donc je sais pas comment. Ça c'est le truc pour délayer leur complot. Ah ouais, voilà.
Arène, ouais, une affaire fructueuse à me proposer. En vrai, elle est intéressante, hein, la A, parce que ça me fait 1000 balles. Maintenant, ça me fait perdre la stab. Oh, qu'est-ce que la stabilité? C'est possible de les délayer seulement. C'est les délayer, hein. Vous gagnerez de l'argent si vous TB. C'est gratuit pour moi. Pourquoi tu peux vendre perdre l'argent? Pourquoi tu votes pour ne rien faire? Pourquoi? Le trésor il se passe bien, de toute façon l'argent ça s'imprime. Non mais tu sais que délayer le schéma de leur complot pour une saison, c'est un avantage. Ça te donne un tour d'avance. Ah oui mais ils ont été gentils avec moi les patriciens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok bon, alors leur but est... Et un héritier... Moi je pense qu'on va pouvoir faire un enfant. Harry Chad. Ça a l'air de bien se passer. Bon, il s'intéresse plus à son pognon qu'à mon bonheur, mais bon. Je pense qu'il y a moyen. Moi je dis, sa famille est assez riche comme ça, il n'y a pas besoin de piquer dans les coffres. Bah, moi j'essaie de faire un gamin avec mon enfant. On est fini le Wookistan. On retourne aux matières traditionnelles. Hein. La marche des géants. Il va vite falloir les calmer eux. Eux par contre ils ont pas eu d'event pour les arrêter. Ouais non les bleus là ils sont... Peut-être reprendre le pouvoir hein. Leur militaire ne peut pas aller plus haut. Leurs géants de glace sont là. Quel sera votre dernier objectif les bleus? Laissez les géants des glaces se battre seuls. Et couvrir le royaume. Ou alors marcher avec les... Aïe aïe aïe! La stab, c'est à combien qu'ils doivent la baisser? Parce que... Ils doivent la baisser encore plus, je pense. Bah, j'espère pour vous, parce que sinon ça veut dire que vous êtes gagnants, les jeunes. Oh, Bones! C'est pas du sang pour le dieu du sang, c'est des os pour le dieu des os. C'est sûrement un d'ailleurs. D'accord, il faut que. Oh, deux ou moins, ah oui, pas. Ça va, t'as le temps de le voir venir. Ok, alors vous devez planifier votre... J'ai pas réussi à remonter la stab suffisamment. Garder le poignon. Alors, choisir entre monter votre défiance ou alors descendre votre farming. Enfin, vous avez pas des objectifs faciles, hein. J'ai peut-être mes chances de survivre. Honnêtement, je pense que ce serait plus facile d'augmenter notre défiance. Honnêtement, je pense que le A pour vous. Et pensez au commerce du vin. Bah oui, que faisons-nous sans eux? D'ailleurs, les patriciens, ça va pas tarder. Protéger le roi du Nord, ouais. Attends, est-ce que je sais pas les patriciens? Et je peux peut-être... Les patriciens ne font pas peur, ils ont 0 militaire et les deux autres factions ont 19 à elles réunies. C'est quasiment le max. Mais l'argent, je pense que j'ai encore moyen de monter au-dessus de 1500. Je compte sur vous, les sudistes et les nordistes, là. Faites une alliance contre les parisiens du centre. Et mais permettez-moi de monter au-dessus de 500 pièces d'or. Tu veux pas te rebeller, Arlenus, tu as 0 de défiance. Non, Arlenus, il est vert. J'ai 8 d'autorité, hein, donc. Il y a trop d'autorité pour l'instant. Plus d'argent. Dans le sud. C'est la mine de tout à l'heure qui. Il y a Tari déjà, c'est ça? D'accord. Ils se blâment l'un de l'autre comme quoi la mine n'est plus rentable. Alors, on pouvait construire une clôture entre les deux, mais j'ai pas assez de pognon. Alors, je sais pas ce que c'est, Rock Ball. En gros, ils doivent jouer à une espèce de baseball avec des cailloux. Ah, sympa. Bon, on va. Moi, je pense que on va. C'est un sport de sauvage. Vous gagnerez de l'argent si vous votez B.
Putain, mais les mecs ils s'en foutent de l'argent là, c'est quoi ces conneries? Non. Putain. Allez. J'ai perdu mon joker là. Ça réussit en plus. Ah, du coup la défiance qui descend, let's go. Et du coup vous gagnez du trade du coup. Et bah voilà, tu vois comment on marche ensemble. Les mecs ils se battent et ils se caillassent les uns les autres et ils sont contents quoi. Ouais, hey, ça va. Ah, une nouvelle mode. Crabe. Arlenius veut me vendre un crabe. Exactement, la d'accord. Lapidation ça a du bon. On a, lapidation ça a du bon. Et on en fait des sports. Ok, ok. Il veut me vendre un crabe. Oh, des crabes cristaux comme Animus Company. Au revoir, mais non, non, ça m'intéresse pas d'acheter un crabe, Ralenus. Je n'ai pas d'argent à gâcher dans ces conneries. Achète mon crabe, qui... mon crabe, achète ma mère. Tiens, c'est vrai, je viens de me rendre compte, mais je sais pas le chat qui... Comment ça, il est pas frais, le crabe de la côte? Qui ose? Je sais pourquoi je l'avais désactivé l'overlay la dernière fois. Je vais les revoir, mais on va. Bon, un problème d'armement encore chez les patriciens. Justement, ils sont habitués. On emploie les commerçants du sud pour construire des nouveaux bateaux. Parce que la côte n'a pas besoin de marins. Ben, c'est quoi, j'ai un veto à mettre et je pense que c'est très bien de choisir l'option qui reste. Donc votez les mecs. Je vote à la française, hein. Votez Macron, bien sûr. Soit on n'a pas d'argent, soit on n'est pas autorisé. Eh, franchement, on aime bien les votes comme ça. Désert qui pense que le conseil constitutionnel va arrêter le vote. Le 49-3, ouais. Crime d'abstention. Ah. C'est terrible. Alors, est-ce que ça va fonctionner? D'abstention. Oui, bien sûr, bien sûr. Militaire qui monte. Le commerce qui monte. La défiance qui descend. Mais tout va bien, mais... Un point de farming et un point de militaire, en fait, c'est le sud qui... Ouais, le sud, le sud est tellement fort. Bon, ils ont réussi leur complot. Oh, bon. Quels seront votre prochain objectif? Les verts. Faire de la reine une mascotte corporate fière de l'être. Monter la stab. Ça, j'aime bien, ça. Ou alors descendre l'autorité. Ah, j'aime bien cet objectif. Ce qui fait qu'on a des deux objectifs qui se rentrent en conflit entre les patriciens et les chefs du Nord. C'est intéressant. Et on est pile au milieu. On va avoir une finale très intéressante. La reine du capital, ce serait beau. Donc là, faut que je m'arrange pour que les verts et les bleus se combattent au niveau de la stab et empêcher les jaunes d'avoir de la défiance. Ça, c'est intéressant. Honnêtement, là, je pense que t'as plus de chances de gagner dans cette partie. J'ai peut-être mes chances de gagner, et ce serait génial, on a encore jamais vu de victoire. Je vais prendre stop de count. Je vais virer Monarchoy, vu que ça sert à rien. Je ne vous... Mais non! Mais non, pourquoi tu veux aider les sudistes? Une grève. Ah, et tous les événements sont dans le nord là. Une grève. C'est sûr, je sais pas chez la côte ce que ça arriverait. Chez Yalis, une grève. Demande une meilleure paix et moins d'heures de travail. Bon. On va en choisir avec le conseil, bien sûr. Alors, envoyer les troupes. Ouais, perdre du mille. Par contre, Darfish, le problème c'est que t'as le chat qui est au niveau des effets en fait.
On a un peu de mal à les croire. Ah ouais, c'était pour ça qu'on l'avait enlevé. Voilà, je vais l'enlever. Trouver un endroit où le mettre le chat. Si on fait une partie après. Alors la trésorerie, j'aimerais bien la voir. Ça n'est pas. L'autorité, c'est combien? C'est 60? Peut-être le stopper quand ça m'arrange. Choisir. Est-ce que tu augmentes la stab ou est-ce que tu joues? moi je suis joueur. Hein. Je joue. Hein. Allez, dis-moi que c'est un succès. Allez. Let's go. Allez, arrêtez de vous battre. C'est passé. Oh. Oh mais non, c'est pas un succès ça. C'est pas un succès. C'est pas un succès. C'est pas un succès, bordel! Oups! Oups, oups, oups! Attends, potentiellement, ils les ont gagnés là! À la si on finit la saison et qu'on n'arrive pas à remonter la stab. Si on peut pas remonter la stab, les bleus ont gagné, hein! Oh putain, on peut pas remonter la stab là! Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, je vais le veto là-dessus. Ouais, rêve pas trop, Deadman. Hey, les verts et les jaunes, je compte sur vous pour le prochain event pour monter la stab à tout prix. Mais à tout prix, peu importe les conséquences. Hein. Moi, j'ai envie de dire, on va déjà commencer par taxer les bleus. C'est vrai que l'option 1 me plaît bien, moi. Bon, ça baisse un peu l'autorité, mais on a peu de soucis pour l'instant. Non, mais l'argent, c'est cool aussi. Hein. L'argent, ça s'en prime. Oui, bien sûr. Voilà, puis bon, je gagne l'argent, il gagne de la fertilité. Tout le monde est content, au fond. Au fond. Deux de farming, putain. Ok, alors là, selon les options qui se présentent. Oula. Alors, la chef Marjata, c'est qui? Une cousine de déserte. Ah oui, oui, effectivement. Elle est morte sans son. Elle était presque 90 ans. Ok, pourquoi tu me dis ça? Parce qu'elle était très riche. Oh. Elle aurait pu passer plus de temps sur ses. Sans aucune volonté. Comme toute la famille de déserte. Ok, donc il y a une bagarre maintenant. Il y a une bagarre. La stab, il n'y a pas de stab. Y'a pas de stab! Y'a pas de stab! Avec un peu de chance, y'aura les bâtiments, on pourra peut-être construire sur un stab. Ah, peut-être, j'ai pas compté les tours. Bon bah, je vais mettre le Golden Choice sur. Rien. Il faut taxer les bleus, sinon ils pourront pas mettre le. Ah, j'avoue, ouais, faut taxer les bleus. Donc, a priori, plutôt. Pourquoi pas un peu de communisme? Pourquoi pas un peu de communisme? Oh, avec les paysans? Ah, faut pas laisser les bleus gagner. Hein. J'aurais pas dû mettre. Ah, mais ils ont tellement de pognon déjà. Déjà tellement de pognon. Ah, mais on va pouvoir équilibrer un peu. Ouais, bah je compte sur vous, hein. Faut monter la stab à tout prix, les mecs. Hein. Là, faut prier pour qu'on puisse construire quelque chose, parce que sinon, ça va mal se passer. Ah, c'est fini. Ah, dommage. Ah, les veines de merde. Ça passe. Les chefs ne sont pas là. Et des géants de glace dans le sud, ok. On peut plus payer nos taxes parce qu'ils sont en train de nous piller partout.
C'est... Hey, le succès qui me fait perdre 2 de stab pour m'expliquer en quoi c'est un succès. Hein. Ça, j'avoue, c'était dégueulasse quand même. Allez, une croisade. C'est la faute des chefs, de toute façon. Oh. Oh, attends, il y a encore un truc possible. Il demandait si on pouvait pas les payer. Ah. On peut pas payer assez cher. On va faire une grande prière. Prier. Alors prier. Bon, honnêtement, ça je pense qu'il y a aucune que... qui peut fonctionner. Hein, de toute façon, parce qu'ils ont quand on réussit le compte. On va. Et hey, pour moi, 65%, ça se tente. Bah 65% ça va être la croisade là. Parce que le problème c'est que si tu baisses la stabilité ça... Mais de toute façon on peut pas gagner je crois, on peut pas gagner. Oh ça a réussi. Oh. Ah ouais bah voilà c'est ça. Ah. Ouais. Ouf. Zéro de stab. Ah ouais, en fait, ça roll jusqu'à ce qu'on... ça roll jusqu'à ce qu'on perd, en fait. Sûrement, il réussit le truc, gagner. Oh, moi, je vais mourir épée à la main hein, contre ces païens handic. C'est Désert 3 qui me trouve, qui va... qu'est-ce que je lui dis? Ouais, moi, je dis ça. Et franchement, le mec il brûle le royaume pour son. J'avoue, il a littéralement pillé les patriciens et maintenant il est plus riche qu'eux. Ouais, c'est clair. Non, bien joué, hein. Mais franchement, vraiment niqué par le RNG. Hein. Le moment où tu réussis ton test et que tu perds 2 de stab. Ça, j'avoue, c'était dégueulasse. Et non, plus, non seulement ça, et en plus derrière, il y a 2 events. Aucun moyen de gagner de la stab sur les 2 events. Et pas envoyer papa et grand-père en prison. J'avoue que Désert, là, il ouvre les portes, il libère toute sa famille. Ouais. Et ouais. Bon bah, Reine et Estrid, hein. Bon, je pense qu'on va pas la continuer cette partie. Je vais voir quel gars est là quand même, Estrid. Ah, ça va. Pas trop moche. Bon, sur ce. 23h20, c'était pas mal. C'est cool, mon mari, il a pas fait chier, c'est déjà pas mal. Rendez-vous demain soir pour Stellaris. Elle a une bonne tête, ta Reine Estrid. Ouais, elle est pas mal. Hein. Sur ce, comme j'ai dit, demain Stellaris 21h. Ce sera sûrement la dernière session, donc on va avoir la grande crise de fin. Ça va être fun, j'espère que vous serez là nombreux. J'organise la partie de U4. Ce sera sûrement. Alors, après, donc, les votes se terminent demain. Et actuellement, attendez, je vous dis ça en direct. Nous aurons une roulette déjà pour choisir les pays. Pour acter. Et le vote est serré avec 11 votes pour le vendredi 28 pour la première session. Et 11 votes pour le samedi 29 pour la première session. Sachant que tous les ça décide également le jour pour les prochaines. Samedi. Les votes sont encore ouverts jusqu'à demain si ça vous intéresse, vous pouvez, ou même pour regarder. Hein. N'hésitez pas à voter. Radio samedi, ça passe sur le Discord, sur le Europa. Tout est épinglé, donc n'hésitez pas à y aller. Et également, j'organise de HOI 4 pour à partir du 30. Et pour le mode, pour partir de tome, soit un mode multi, type World War Brew, ou un autre, soit du History Vanilla. Si ça t'intéresse, Attack of the Man, n'hésite pas à voter. Exclamation Discord pour avoir le Discord, sinon il est disponible. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à demain pour Stellaris et ciao.